alaykoum salam. Salamu alaykoum wa alaykoum salam wa alaykoum salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. أما بعد, alors chers frères, chers sœurs, chers invités, après avoir témoigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala était l'unique digne d'être adoré et que Mohammed est son bien-aimé envoyé pour toute l'humanité, je vous salue du salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. Le son, il est pas trop fort le son, ou ça va? Ok. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, donc merci à vous d'être là. Je tenais aussi à remercier l'association qui a créé cet événement et qui a tout organisé. Ils m'ont offert un accueil très chaleureux, donc je tenais à les remercier officiellement devant tout le monde, barakallahu fikoum. Alors sans plus tarder, on va s'attaquer au sujet qui est vaste. Alors bien évidemment, vous avez vu le titre, on pourrait parler une semaine, voire plusieurs semaines sur ce sujet. Si on veut vraiment décortiquer les choses et analyser, ou avoir une analyse pertinente et juste, il nous faudrait énormément de temps, ce que nous n'avons pas. Donc on va essayer de faire au mieux par rapport au temps que nous avons, pour essayer d'être le plus direct possible, parler de quelques points qui me semblent importants, et l'échange que nous pourrons avoir tout à l'heure, parce qu'il y aura un moment pour l'échange, sera pour moi le moment le plus important. Car justement, vous allez poser vos questions ou proposer des choses éventuellement, et je pense que ça sera beaucoup plus riche qu'une intervention unique. Mais je vais juste essayer de parler de ces différents thèmes, parce qu'en plus c'est des thèmes à part entière qui sont très vastes, on va essayer de les lier, que ce soit les difficultés que certains peuvent vivre dans leur couple, les difficultés que certains peuvent vivre seuls dans leur célibat, et notamment le divorce qui est en augmentation. C'est des sujets qui sont liés, mais qui sont en réalité un peu différents. En ce qui concerne, on va commencer par le célibat, si vous voulez bien, on va essayer de suivre quand même une petite chronologie. Alors, d'avance, je vais parler de certaines choses qui ne vont pas, ou certaines choses qui sont juste considérées comme des problématiques. Tout le sujet du mariage n'est pas que problématique. Alhamdulillah, sinon on n'a même pas besoin d'en discuter en réalité. Mais ce n'est pas parce qu'on s'arrête sur les problèmes et qu'on parle des choses qui ne vont pas qu'il faut oublier les choses qui vont. Donc on pourra s'attarder un peu dessus, ou si vous avez des questions éventuellement là-dessus, on pourra un peu échanger. Mais l'objectif de l'intervention, c'est de faire un petit constat, d'essayer de trouver des raisons ou des causes qui pourraient être éventuellement pertinentes, voir si on peut proposer des solutions. Et surtout, en toile de fond, il y aura quand même un petit message sur le fait de vous centrer sur vous-même. Quand on vit la chose, là je ne parle pas en tant qu'analyste extérieur, quand on vit la chose, on a souvent tendance à mettre la faute sur l'autre, ou mettre la faute sur des facteurs extérieurs. Et moi là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse s'intéresser à ce que nous faisons nous individuellement par rapport aux différents problèmes. On s'arrête sur le célibat, le divorce et les difficultés de couple, mais ce que je vais dire en toile de fond est valable pour tout le reste de ce qu'on peut vivre dans notre vie. Alors en ce qui concerne le célibat, tout d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs types de célibat. Parce que souvent on parle de célibat, on parle de la problématique du célibat, mais on ne va pas forcément plus loin. Tous les célibats ne sont pas pareils. Et chaque personne va vivre un des types de célibat. On va s'arrêter à quatre catégories, alors qu'on pourrait en réalité un peu plus, aller un peu plus loin. La première catégorie est le célibataire qui vit bien son célibat. C'est-à-dire qu'il est célibataire, tout va bien, il n'y a aucun souci, aucun mal-être, aucune souffrance, et il choisit d'être célibataire. Donc il y a un choix, une volonté de l'être, et derrière, le fait d'assumer, tout va bien. Cela, on n'en parle pas forcément, parce que tout va bien. S'ils ont fait le choix, ils ont fait le choix.
et c'est dans leur cheminement de vie, quand ils changeront de, d'objectif ou d'avis, ben on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, cette catégorie, on la désigne, on ne va pas s'arrêter dessus, nous, parce que ce n'est pas celle qui nous intéresse, mais il est important de la désigner, car on a souvent tendance, à, quand on parle des problèmes de célibat, de mettre tout le monde dans le même sac. Ce qui va énormément agacer ceux qui le choisissent et qui le vivent bien. Et qui vont me dire, mais pourquoi vous en faites toujours un problème, moi je vis très bien, etc. Donc cette catégorie, tout va bien. La deuxième catégorie est la personne qui subit le célibat. Et là, on commence à rentrer dans les problématiques. C'est-à-dire, ça va être la catégorie d'une personne qui désire être en couple, qui désire se marier, mais pour X ou Y raison, plusieurs facteurs, elle n'est pas mariée ou il ou elle n'arrive pas à être en couple. Elle va ou il va faire des causes, mais ça n'aboutit pas. Cette personne va subir. Ou alors elle va trouver des partenaires ou il va trouver des partenaires et il y aura des blocages, notamment au niveau de la famille, qui va refuser l'union, etc. Donc, deuxième catégorie, la personne qui subit le célibat, et là, il y a déjà un début de souffrance, ou il y a même de la souffrance. Troisième catégorie, est la personne qui prétend subir le célibat. Donc là, c'est un peu différent. C'est-à-dire, ça va être une personne qui va avoir un discours en disant « Je subis le célibat, c'est difficile pour moi, mais en réalité, elle ne le subit pas réellement. » C'est-à-dire que les facteurs ne sont pas externes. Si la personne est toujours célibataire, c'est qu'elle le souhaite quand même un peu, voire peut-être même un peu beaucoup. On va aller comme ça, quand on parle. Et la quatrième catégorie est la personne qui prétend choisir son célibat, alors qu'en toile de fond, elle le subit. C'est-à-dire qu'elle va dédouaner les responsables extérieurs et pour justement protéger souvent la famille ou des personnes ou les facteurs externes, elle va témoigner un choix personnel et le fait de l'assumer alors qu'au fond, il y a quand même une souffrance. Donc à distinguer avec la première catégorie où la personne choisit, l'assume et il n'y a pas de souffrance. Tout va bien. La personne est très bien dans sa peau. Quatrième catégorie, elle ressemble à la première mais il y a une souffrance. Dans la troisième catégorie, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont dans la troisième catégorie. Donc la troisième catégorie, c'est les personnes qui prétendent subir le célibat. Et là, pour mieux comprendre cette catégorie, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez Majnun Leïla, le fou de Leïla? Ça parle à des gens? Oui. Pour ceux à qui ça ne parle pas, Majnun Leïla, alors on l'appelait le fou de Leïla, c'était un homme qui s'appelait Qais, qui était fou amoureux de sa cousine Leïla. Il était amoureux d'elle, c'est un poète. Il a écrit des poèmes magnifiques. Je vous invite à éventuellement les lire, ils sont vraiment très beaux. Et cet homme était fou amoureux de Leïla et il l'a revendiqué. Il l'a revendiqué, il l'a avoué, et il a fait une chose qui ne se faisait pas dans le système social dans lequel il vivait. Il a écrit un poème d'amour pour Leïla alors que ce n'était pas sa femme. Et dans ce poème, il a déclaré son amour pour Leïla, où il la décrit et il fait des comparaisons par rapport à sa beauté, etc. Un poème magnifique, mais ça ne se faisait pas. En faisant ceci, la famille de Leïla l'a très mal pris. Pourquoi? Parce que c'était limite insultant, voire un déshonneur. Quelques temps après, son père va demander la main de Leïla pour son fils Qais. Le père de Leïla refuse catégoriquement. Pourtant, il y a des textes qui disent qu'il a été offert une énorme dot avec beaucoup de chameaux, etc. Je pense qu'on sent que le chameau, c'était quelque chose qui avait énormément de valeur. Et le père de Leïla refuse catégoriquement, et en réalité, la raison pour laquelle il a refusé, c'est pas parce que Qais était un mauvais personnage, c'était tout simplement qu'il avait fait quelque chose qui ne se faisait pas. Il avait déshonoré la famille en déclarant son amour pour Leïla. Très bien. De là, il s'est jamais marié cet homme, ni avec Leïla, ni avec une autre. Et toute sa vie, il a éperdument aimé Leïla. Or, vu comme ça de loin, on dirait c'est beau, c'est romantique, etc. Si j'avais un homme qui m'aimait comme ça, etc. Vous allez mieux comprendre que c'est pas si simple que ça. Donc toute sa vie il a aimé Leïla, toute sa vie il a écrit des poèmes magnifiques sur Leïla. Il y a une petite histoire qui est sympathique, où un jour, c'était lors de la prière, alors je ne sais plus si c'était Don ou Larasson, il était à côté de la mosquée. Le muezzin fait l'appel à la prière, les musulmans vont prier. Lui il était à côté de la mosquée, il est resté là où il était avant l'appel, il est resté ainsi au même endroit. Quand les fidèles ont terminé la prière, ils sont venus le réprimander en lui disant « Honte à toi, n'as-tu pas honte ?» C'est l'heure de la prière, t'es pas venu prier avec nous, etc. On a bien vu que t'étais absent lors de la prière dans les rangs, etc.
Il leur a dit, par Allah, j'ai même pas entendu l'appel. Ils ont dit, c'est impossible que tu l'aies pas entendu. Tu es si proche de ça de la mosquée, c'est impossible. Des gens beaucoup plus loin de toi l'ont entendu. Il leur a dit, non, j'ai vu un chien passer qui m'a fait penser au chien de Layla. Et en pensant à Layla, ma raison, elle est partie. J'entendais plus rien. Et en réalité, c'est un phénomène qui est connu. Quand vous êtes concentré sur quelque chose, que ce soit par rapport à la pensée ou que ce soit même physiquement, si vous êtes fixé quelque chose, vous allez moins voir ce qu'il y a autour, voire pas du tout. Et il leur dit, moi j'aime réellement Layla jusqu'à ne plus entendre quoi que ce soit autour de moi, même l'appel à la prière, quand j'ai commencé à penser à elle. Alors que vous, vous prétendez aimer Dieu alors que vous vous êtes rendu compte de mon absence alors que vous étiez soi-disant en face de lui. Donc là, vous voyez qu'il y a aussi un rappel à ce niveau-là sur la notion de l'amour et la notion justement du lien. Et donc, pour revenir à Païs, un jour Layla est venue toquer à sa porte. Et un ami qui était avec Païs, il lui dit justement, il y a Layla qui est devant ta porte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la fais entrer? Et là, écoutez bien ce qu'il va dire, quelque chose de très important. Il va lui dire non, dis-lui de retourner chez elle. Et là, son ami ne comprend pas, en lui disant, écoute, tu nous casses la tête avec Layla nuit et jour, et maintenant qu'elle vient, tu lui dis de retourner chez elle? Il lui dit oui, car je crains que Layla m'empêche d'aimer, de penser à Layla. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir ou pas encore? Ou c'est encore un peu flou? Très bien. Toute sa vie, il a écrit des poèmes d'amour. Toute sa vie, il l'a aimé énormément. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que il a bien fait de ne pas l'épouser. Pas parce qu'elle n'était pas bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand il l'a décrit, vous avez l'impression que c'est la plus belle femme du monde. Et à l'époque, quand ces poèmes ont commencé à être répandus, il y a des hommes puissants qui sont venus justement pour voir Layla, pour l'épouser. Ils ont dit, oui, c'est si belle que ça, nous on la veut. Et quand ils sont venus, ils ont été déçus. Car en la voyant, ils ont vu une femme normale, simple. Elle n'était ni belle ni moche par rapport aux coutumes de l'époque. Et un d'entre eux a convoqué justement Païs en lui disant, écoute, pourquoi tu mords tes poèmes? Il lui dit, déjà la poésie c'est fait toujours pour extrapoler, mais en plus de ça, je suis sincère et honnête dans mes poèmes. Je n'ai jamais menti. Mais pour voir la beauté de Layla, il faut avoir les yeux de Païs. Là, on est monté encore d'un cran, là, vous dites, oh là là, c'est beau, etc. Mais vous voyez, quand je vous dis que, heureusement qu'il ne l'a pas épousée, c'est quelque chose qu'il dit lui-même. Dans un de ses poèmes, à la fin de sa vie, il dit, je crains que si je n'ai épousé Layla, je l'eus moins aimé. Et quand vous décortiquez un peu son histoire, vous vous rendez compte que, alors, consciemment ou inconsciemment, ça, je ne sais pas, mais il a saboté le mariage avec Layla en faisant quelque chose qui ne se faisait surtout pas. Il a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il le savait, mais il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait consciemment ou pas? Allahu a'lam. Mais dans tous les cas, il a fait exactement ce qu'il fallait faire pour lui. Parce que lui, il ne voulait pas vivre avec elle, il voulait l'aimer. Et pour l'aimer comme il l'a aimé, d'une manière folle, il fallait qu'il reste dans le fantasme, et non dans la réalité. S'il l'avait épousée, il aurait été dans la réalité avec elle. Donc il a fait en sorte de ne pas l'épouser. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que son objectif était de l'aimer d'une manière folle. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Païs faisait partie de la troisième catégorie. Il a été célibataire toute sa vie. Ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment. Déjà, avant de commencer, qui est célibataire dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Juste pour que je puisse jauger. Très bien. Tout le reste est marié? Ou tout le reste n'ose pas lever la main? Qui n'ose pas lever la main? Pour voir un peu aussi qui... Très bien. Donc, Alice fait partie de la troisième catégorie, et beaucoup de personnes aujourd'hui font partie de la troisième catégorie. Quand ils vont analyser leur parcours, ils vont se rendre compte que, d'une manière consciente et inconsciente, il faut bien prendre en compte ce côté qui n'est pas forcément volontaire, pour pas après les accabler ou les faire culpabiliser, du fait de faire en sorte de ne pas s'engager. Car on n'a jamais eu autant de personnes qui voulaient se marier qu'aujourd'hui. Il y a énormément d'hommes qui veulent se marier, il y a énormément de femmes qui veulent se marier. C'est pas ce qui manque. Donc qu'est-ce qui fait que les gens ne se marient pas malgré tout, ou ont du mal à trouver soi-disant? Alors il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. La peur de l'engagement est une des notions, alors qu'on retrouve beaucoup chez l'homme, mais pas que chez l'homme, chez certaines femmes.
qui peut expliquer le fait que les gens ne s'engagent pas malgré tout. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des partenaires qui peuvent être potables ou acceptables, mais la, voire même très bien, mais la peur que ça se passe mal. Vous voyez, on est dans une psychologie du comportement où par peur de ne pas vivre une situation, on ne fait plus rien, ou on fait complètement autre chose. Donc parce que j'ai peur du résultat, parce que j'ai peur entre guillemets de l'échec, parce que j'ai peur du divorce, vous avez des gens qui ne se marient pas pour ne pas divorcer. C'est vrai. Vous avez des gens qui, quand vous discutez avec eux, ils vont vous dire « mais moi j'ai trop peur de divorcer ». Et la peur elle est réelle. Et vous voyez comment c'est important pour eux de ne pas divorcer. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable dans leur esprit. Mais la peur de ne pas divorcer, va tellement les paralyser qu'ils ne se marieront même pas. Mais en réalité, comme Qais, ils auront eu exactement ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ne vivront pas ce qu'ils craignent. Donc vous voyez qu'on peut avoir une forme d'ambivalence dans nos actions où on peut vouloir deux choses qui sont complètement contradictoires. Mais la chose qu'on va désirer le plus sera la chose vers laquelle on va tendre le plus facilement. Vous avez le même phénomène, alors je vais faire une analogie avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais vous avez le même phénomène avec les personnes qui vont avoir des addictions et qui veulent arrêter. Vous prenez quelqu'un qui est fumeur et qui prétend vouloir arrêter de fumer. Il y a beaucoup de chances qu'il soit énormément sincère dans sa volonté d'arrêter. Puis il va arrêter. Puis 3 jours après, il va reprendre. Puis 3 mois après, il va arrêter. Et 3 jours après, il va reprendre. Puis 10 mois après, il va arrêter. Et il va arrêter pendant une semaine peut-être, et il va reprendre. Les gens de son entourage lui diront « t'es pas sincère, t'es un menteur, t'es un hypocrite. Tu prétends vouloir faire ça, mais tu ne le fais pas réellement. » Et la prochaine fois qu'il dira qu'il veut arrêter, personne ne va le soutenir ou l'aider ou le croire. Mais alors que ce personnage, il est sincère. Il veut réellement arrêter. Mais il a aussi envie de continuer. Et parfois, ce n'est pas juste sa volonté, parce qu'en plus de ça, quand c'est un produit, vous avez un phénomène qui va après intervenir, parce que chimiquement, il y a une influence au niveau du cerveau et que son corps va lui réclamer de la nicotine. Mais vous voyez qu'il va avoir 2 désirs. Et selon le moment où il a le désir qui va être le plus grand, il va réussir à tendre d'un côté. Et c'est à peu près la même chose que nous vivons aujourd'hui. Alors il y a d'autres facteurs, à part la peur de l'engagement. Vous avez aussi les critères de choix que nous avons. Alors les critères de choix ne sont pas forcément problématiques en soi. Parce que souvent on les pointe du doigt en disant « tu es trop », alors je vais le dire, c'est « tu es trop exigeante ». C'est souvent du côté des femmes qu'on entend ça. Alors elles en demandent trop, elles sont trop exigeantes, et forcément, celle qui a le désir sur le papier n'existe pas. Et vous avez des pauvres bonhommes qui vont débarquer et qui ne vont jamais être à la hauteur. Mais ils ne vont jamais être à la hauteur, et on en parlait tout à l'heure, mais ils ne vont jamais être à la hauteur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Soit vous avez comparé, si vous avez eu un père qui est à la hauteur, ça va être très compliqué. Si vous avez un super papa, ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce que si vous avez un super papa, vous allez forcément comparer. En disant, moi, mon père, c'est mon père. Mais je veux quelqu'un d'aussi bien que lui. Quelqu'un d'aussi grand dans le fait d'assumer, aussi noble dans son statut, aussi doux dans son comportement, etc., etc. Le problème, c'est que quand on a ce comportement et cette vision-là, on crée une injustice. Parce que le papa qu'on a, aussi magnifique qu'il puisse être, ce n'est pas le même qu'il y a 30 ans. Allez voir vos mères. Demandez-leur si papa était extraordinaire il y a 30-40 ans. Ils vont dire que non. Elle a peut-être repensé au divorce 200 fois. Ça a pu très mal se passer des milliers de fois. Puis il a peut-être changé. Et d'ailleurs, le comportement qu'il a avec sa fille, c'est peut-être même pas le même comportement qu'il a avec son épouse. Vous avez des papas qui sont très bons avec leurs enfants, mais pas forcément avec leur épouse. Donc, quand vous allez comparer, vous allez créer une injustice parce que vous allez comparer deux choses qui ne peuvent pas se comparer. Si vous les comparez des prétendants qui viennent avec votre papa, comparez les prétendants avec votre papa à l'âge qu'il avait, au même âge que les prétendants. Là, ça sera un peu plus juste. Et encore, ça ne sera pas totalement juste parce que ce n'est pas la même époque. Ce n'est pas la même éducation. Ce n'est pas le même contexte. Et dans cette évolution, justement, du contexte, on n'est pas là pour émettre de jugement que l'évolution soit bonne ou mauvaise. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le sujet. Il faut juste se rendre compte qu'il y a des évolutions. Si on ne se rend pas compte qu'il y a des évolutions, qu'il y a des changements autour de nous, eh ben on va rester avec une vision des choses qui va être biaisée par une illusion du passé,
C'est-à-dire qui n'est pas forcément le passé, mais qui est un regard que nous avons du passé, et qu'on va capter sur le présent, et là, il y aura un fort décalage. Et dans ce décalage-là, il y aura des blocages que vous allez créer vous-même, justement, par l'illusion que vous avez. Donc, les filles qui vont avoir un papa super, ça va être compliqué. Et pour revenir sur les choix, sauf s'il y a ce travail de distanciation, etc. Mais si on s'arrête sur les choix, vous avez donc des personnes qui vont avoir des choix assez précis. Et on va critiquer souvent les femmes en disant qu'elles sont trop exigeantes. Il y a des hommes aussi, mais c'est souvent une caractéristique féminine en ce moment. Techniquement, ça peut poser problème parce qu'en étant trop exigeant, vous diminuez le potentiel de prétendants. C'est mathématique, hein. Plus vous demandez de choses, moins il y a de personnes qui peuvent y répondre. Mais il y a une chose quand même qui est bonne en soi, que moi je trouve intéressante, c'est qu'une personne qui a beaucoup de critères et d'apparence, parce que c'est pas forcément vrai à 100% ce que je voulais dire, mais d'apparence, ça a l'air d'être une personne qui se connaît quand même un peu. Vous voyez, c'est-à-dire le fait de se connaître, c'est-à-dire que si vous êtes long dans votre liste de besoins, c'est que vous connaissez vos besoins, un minimum. Sauf si vous êtes dans une matrice où vous pensez connaître vos besoins. Mais là, on ne va pas complexifier le débat plus que ça, parce que ça peut arriver de prétendre connaître ses besoins alors qu'on ne les connaît pas forcément. Qu'on prétende des besoins qui sont liés à une influence qu'on a reçue. Ça peut être une influence littéraire, ça peut être une influence cinématographique, une influence culturelle, ou bref. Vous allez lire, si vous avez un retour à la religion, vous commencez à lire la vie des compagnons, quand vous allez choisir votre époux, vous allez comparer par rapport à ce que vous allez lire, et là, vous allez avoir une grande désillusion. Et même là, vous allez créer une injustice. Parce que les compagnons, on a leur histoire qui est magnifique, mais on ne va pas forcément regarder ce qui se passait avant que ce soit des compagnons. Ou les maladresses qu'ils ont pu avoir, parce que ce sont des humains, ce ne sont pas des anges. Ils ont fait des erreurs. Mais quand on va s'arrêter à des personnages ou des histoires magnifiques, eh ben, on va se baser dessus, c'est naturel, on va vouloir vivre cette chose-là qui est magnifique. Mais il y a une différence entre vouloir vivre une chose qui est magnifique et faire en sorte de vivre cette chose-là qui est magnifique. Si j'attends de l'autre qu'il me fasse vivre ce que j'espère, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et c'est encore une fois une injustice. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre sur la responsabilité de l'autre une chose qu'il ne peut pas faire seul. Les compagnons, leur histoire, elle est magnifique parce qu'ils l'ont créée ensemble. C'est pas magique, c'est pas seul qu'ils ont réalisé ce qu'ils ont réalisé. C'est en groupe. Et par rapport au foyer, c'est en couple. C'est pas seul. C'est-à-dire que chacun avait un rôle prédéfini. Chacun faisait des actions. Et les actions que chacun pouvait faire avaient des conséquences. Et donc, comme l'exemple qu'on a cité tout à l'heure des filles qui vont avoir des papas super, les papas sont devenus super grâce à la maman. Et grâce au travail que ces papas ont fait dans leur vie de couple. Et c'est un cheminement, c'est pas du jour au lendemain. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas patient. C'est qu'on veut le résultat tout de suite. Et ça, c'est un des autres facteurs. C'est que le fait que nous voulions les résultats tout de suite nous renvoie un peu à... C'est pour ça que c'est important d'analyser les évolutions sociales. C'est qu'on a un comportement de consommateur dans tout ce que nous faisons. Et notamment dans le mariage. C'est-à-dire que le mariage, voire même la religion, parfois, on est dans une forme de consommation. Alors qu'encore une fois, on n'est pas là pour juger, on pourra en débattre si vous voulez, mais cette forme de consommation, elle peut être bonne dans certains cas, mais elle peut être dangereuse dans d'autres, dans le sens où, dans ma recherche de conjoint, je vais réfléchir comme si j'allais acheter un produit. Et donc forcément, je compare, forcément... J'arrive pas à me décider. Vous allez sur Amazon, c'est compliqué de se décider de ce que vous avez. Mais juste acheter une valise. Au début, vous voulez juste une valise, vous. Donc, tout va bien, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez ? Vous allez sur Amazon, vous cliquez valise, vous allez en avoir 100, vous ne savez plus quelle est laquelle choisir. En réalité, c'est à peu près la même chose qui se passe. Parce que souvent, quand on entend justement les gens qui disent « Oui, non, mais il n'y a pas de choix, et je ne sais pas, on n'arrive pas à rencontrer, on ne voit pas », c'est faux. Des hommes et des femmes ont fait que ça de se rencontrer. Tous les jours. Et quand vous dites oui, non, mais pour le mariage, c'est faux. Tous les jours, c'est aussi pour ça. Pourquoi vous vous apprêtez le matin? Pourquoi vous vous habillez de cette manière? Certains diront que c'est pour moi parce que j'aime. Oui. Si vous avez réussi à vous convaincre de ça, c'est bien.
Et c'est pour l'autre, c'est pour le regard de l'autre. Et justement, le regard qu'il aura de vous. Parce qu'on a besoin de ça. Donc vous voyez donc que notre comportement de consommateur, il pose aussi problème au niveau des actes religieux. Et là, je mets le mot. Acte religieux. Le mariage est un besoin que nous avons, mais c'est un acte religieux. C'est pas un petit kiff. C'est pas un truc où on prend et on jette. C'est un acte d'adoration. Et c'est un contrat entre deux personnes. Le côté sacré que nous donnons au mariage, il n'est pas islamique. C'est dans le christianisme que le mariage il est sacré. Parce que dans le christianisme, vous n'avez pas le droit de divorcer. C'est à la vie et à la mort. Que ça se passe bien, vous avez... là vous n'avez pas l'intérêt à vous bouffer d'ailleurs. Mais en islam, ça ne marche pas comme ça. Il y a un côté sacré dans le fait que ça soit un acte d'adoration et que c'est en lien avec le divin. Mais le point de départ, c'est un accord et un contrat entre deux personnes. Voilà qui je suis, ce que je veux. Voilà qui je suis, ce que je veux. Est-ce qu'on se met d'accord, oui ou non? Le mariage, c'est ça. Ça peut être un peu, vraiment une petite désillusion en entendant ça, en disant, oui, mais est-ce qu'on fait du romantisme, de l'amour, etc. Il y a sa place, il y a la place pour ça aussi. Mais ce n'est pas forcément le cas partout et pour tout le monde tout de suite. Vous pouvez être en lien avec une personne que, pour qui vous avez des sentiments et vouloir vous marier avec elle. Si vous avez un lien avec cette personne, il y a forcément des choses qui vont se créer, vous allez vouloir vous l'épouser, etc. Mais vous pouvez très bien vous marier avec une personne avec qui vous n'avez pas forcément de lien. Ça s'est fait pendant des millénaires. Pourquoi aujourd'hui ça ne se ferait plus? Vous savez, la notion de l'amour, justement, c'est que il y a plein de types d'amour différents. Sauf que nous, on a un schéma de l'amour qui est unique, voire peut-être deux. On a l'amour un peu hollywoodien et Disney, et l'autre amour Bollywood, où ça danse et ça part partout pour la bien-aimée. Mais vous voyez que ce ne sont que des notions réelles d'amour qui peuvent exister, mais ce ne sont pas les seules. Dans la langue arabe, vous avez entre 60 et 80 synonymes du mot amour. Et chaque synonyme, il a une définition qui lui est propre, pour un cas précis. Ça vous montre l'étendue, les différences d'amour qui peuvent exister. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément de lien amoureux tout de suite avec l'autre, c'est pas forcément problématique. Si vous l'avez, tant mieux, si vous l'avez pas, c'est pas grave, ça peut se créer. L'amour, il peut se construire par la suite. Mais le plus important, c'est d'être au clair sur le contrat qu'on va avoir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que tu donnes? C'est pas plus quoi. Je simplifie un peu, mais en réalité, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un contrat. Mais c'est un contrat qui vous impose un engagement. Et là, on va mettre le doigt sur un autre problème dont on a parlé un peu hier soir avec l'association, qui est le fait que nous avons un grand souci avec la notion de responsabilité. On se déresponsabilise très facilement. Si ce n'est tout le temps. Rares sont les gens qui assument leur responsabilité. La plupart des gens se déresponsabilisent totalement. La preuve à ça, c'est que quand il y a un problème, qu'est-ce que vous dites? C'est l'autre. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. On m'a ensorcelé. J'ai raté, hier je prenais l'exemple de vous ratez votre... J'avais raté mon bac. Ça c'est moi. J'avais raté mon bac et j'avais un oncle qui était RP et ma mère a vu ma tante en disant « Ce serait bien qu'elle récite le Coran sur lui parce que c'est pas normal qu'il rate son bac. » Et comme pour les parents, d'avoir le bac, c'est quelque chose de super important, non. C'est pas dit, il n'a pas bossé. Vous voyez, c'est juste dit, c'est pas normal, peut-être qu'on lui a fait quelque chose. Il y a peut-être des jaloux dans la famille ou la proche, qui ne veulent pas qu'il ait son bac et qui sont partis voir un sorcier qui a fait un pacte avec eux. Tout ça pour pas que j'ai mon bac, waouh. Ils sont motivés, les gens. Mais moi, je sais pourquoi j'ai pas eu mon bac. J'ai pas bossé toute l'année. J'ai même pas été en cours la plupart du temps, pour tout vous dire. Attends, c'est passé, je peux le dire. Mais la plupart du temps, je n'étais même pas au lycée. C'est impossible. Si j'avais mon bac, des gens seraient convertis, je crois. En disant, c'est bon, Dieu, il existe. C'est un miracle. Et ça ne remet pas en cause mon intelligence ou ça fait de moi un imbécile. Vous ne bossez pas avec plein de résultats, c'est normal. Vous arrivez à l'examen, on pose des questions, vous ne savez même pas de quoi il parle. C'est normal que vous ne pouvez pas répondre. Donc vous voyez que là, cette manière de nous déresponsabiliser,
Et moi, ça m'a rendu, ouais, peut-être qu'on m'a fait quelque chose, ouais, effectivement. Parce que je vais pas dire à ma mère à ce moment-là, ouais, en fait, j'étais même pas en cours quand tu croyais que j'étais en cours. Donc, notre manière de donner, là, c'est un exemple soft. Mais si on va dans des exemples plus hard, vous avez des gens qui vont violenter leur épouse en disant, c'est pas moi. Alors, ils sont choqués peut-être de leurs actes en disant, je ne me reconnais pas dans cet acte-là. Oui, tu ne te reconnais pas, mais c'est toi, mon frère. C'est pas quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a un djinn en moi qui a fait que je... Non, le djinn, il s'en fout de ta femme, frère. C'est toi, tu l'as frappé. Maintenant, aller chercher à savoir pourquoi tu l'as frappé, c'est ça qui devient intéressant pour apprendre à réguler, gérer ses émotions, etc. Parce qu'il y a des raisons derrière. On n'est pas là, encore une fois, pour être dans le jugement, mais il y a toujours des raisons qu'il faut analyser. Mais ce n'est pas de la faute de l'autre, de l'extérieur. Mais nous, on a cette facilité. Mais vous voyez, cette facilité que nous avons de nous déresponsabiliser, et là, je vais faire un lien directement avec les couples en crise, va aussi nous empêcher de nous engager. Parce que qui dit engagement dit responsabilité. Si je me marie, je deviens responsable de quelque chose qui est plus grand que ce que j'avais avant. Déjà qu'avant, j'étais responsable que de moi, j'avais du mal, et d'ailleurs, je ne voulais même pas assumer, au point que je mets la faute sur les autres et je mets la responsabilité au niveau de mes parents. Mais si je me marie, ça y est. Et mine de rien, les gens le savent, ça. Même s'ils n'en parlent pas, même si parfois ils n'y pensent pas directement, consciemment dans leur comportement, ils le savent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec l'engagement. C'est pas parce que ce sont... Comment ? Il y a aussi une part d'éducation parfois sur le... Sur, sur la dé... enfin, le manque de responsabilité. C'est intéressant. Parce que c'est vrai, et en même temps, vous venez de prouver ce que je viens de dire. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire, l'éducation, c'est tout en réalité. Mmh. Mais en disant que c'est l'éducation, c'est pas de ma faute si je suis pas responsable. Mmh. Vous voyez ? C'est l'éducation qu'on m'a donnée. Non, je dis pas ça pour moi, mais je trouve qu'il y a des éducations qui sont très... Déresponsabilisantes. Bah, on va, les filles, par exemple, souvent les filles, parce que c'est on voit très tôt leur responsabilité, et on va leur rabâcher ça continuellement. Peut-être aussi parce qu'elles enfantent, parce qu'elles peuvent avoir des enfants, parce qu'il y a la question de la virginité, elle existe aussi pour l'homme, mais on a moins cette... on trouve dans notre culture, on responsabilise moins les hommes très tôt. C'est vrai que... Alors, je ne sais pas d'où vous venez tous, mais... Et je n'ai pas étudié toutes les cultures, mais c'est vrai qu'au Maghreb, on a cette problématique. C'est en train de bouger un peu avec justement les nouveaux parents, qui ont d'autres formes d'éducation, et surtout celles qui ont subi ça, et qui aujourd'hui qui ont les moyens de le dire aux médias. Parce que les mamans de l'époque, elles l'ont aussi subi, mais elles n'avaient pas forcément les moyens d'y remédier, ou alors elles n'avaient pas forcément la conviction qu'il fallait y remédier. Et c'est vrai que les filles sont, dans l'éducation que nous avons chez les Maghrébins, pas au Maghreb, chez les Maghrébins, on va les responsabiliser très tôt, on va les, ce que nous on appelle les parentifier. Il y a une parentification qui se fait chez les filles, surtout chez l'aîné. C'est pour ça que l'aîné c'est plus qu'une femme chez nous. Ouais, l'aîné c'est une femme et un homme en même temps. Et c'est pour ça que les aînés vont avoir aussi un problème dans le mariage, dans le fait de trouver quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'en étant parentifié très tôt, la parentification c'est très simple, c'est quand vous demandez à l'enfant de vous suppléer et de faire un peu votre job. Au début c'est un petit coup de main, c'est mignon, mais le problème c'est que c'est pas si mignon que ça pour l'enfant parce qu'elle n'a plus d'enfance. On lui donne des rôles d'adulte en lui faisant assumer des conséquences. Vous avez par exemple l'exemple, toutes les aînées qui peuvent être là l'ont peut-être vécu. Votre petit frère, on vous dit gardez-le, il fait des bêtises, c'est vous qu'on punit. Vous pouvez pas, vous voyez, c'est incohérent et c'est injuste. Mais elles vont subir cette injustice-là. Et donc elles vont remplacer, aider, voire remplacer en partie un ou les parents. Elles vont être matures très tôt. Elles vont être très touche à tout. Elles vont se débrouiller dans beaucoup de choses. Elles vont devenir très autonomes. Et derrière, vous allez avoir justement chez ces filles-là, soit un lien de loyauté très fort jusqu'à sacrifier leur vie pour le reste de la famille, soit une fuite. Donc dès qu'il y a un moyen de fuir, je fuis. Que j'ai mon bac, voilà, je vais aller faire des études à 900 km. Ah oui, mais il faut que je respire. Et elles ont raison de le faire. Elles n'ont pas le choix, sinon elles vont mourir. Et donc elles vont aller très loin pour faire leurs études, elles vont faire des études très longues, parce qu'elles ne veulent pas revenir. Vous voyez, si je reviens, ça va être terrible. Et d'un côté,
Parce que le prolongement des études, il peut se faire dans le sens de l'émancipation de la femme et tout ce qui s'est passé depuis 68, etc. Mais il y a aussi ça qui se passe, c'est-à-dire que vous allez avoir un comportement qui va prolonger les études et qui va vouloir être des... Vous allez avoir des femmes qui vont être aussi très compétentes au travail et qui vont énormément travailler. Derrière ces femmes-là, bah, vont avoir un peu de difficulté à trouver un conjoint. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des super femmes, donc c'est compliqué de trouver un homme à la hauteur. Les hommes, la plupart du temps, sont décevants, vous voyez ? Et si c'est pour avoir le même que le papa à la maison, c'est pas possible, là, on est dans l'inverse du super papa. Et souvent, elles ont l'image de l'homme qui est lié justement au père qu'elles ont pu avoir. Ou alors, elles arrivent à se dire « Non, tous les hommes ne sont pas pareils, il y a des hommes qui sont bien, etc. Et moi, je peux m'ouvrir et je peux... » Voilà. Elles vont faire énormément d'efforts. Parce que si elles gagnent plus que l'homme, bref, c'est encore d'autres trucs, mais ce qui va jouer, ça va être ça. Donc elles vont, malgré qu'elles gagnent plus, faire un effort à ce niveau-là, elles ne vont pas s'imposer, elles ne vont pas être autoritaires, etc. Malgré tout, elles vont faire peur aux hommes. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez... Alors, la recherche, pour la recherche de l'épouse, vous avez quelque chose qui se passe, qui est très lié, alors je vais dire à l'arabe, mais c'est pas qu'à l'arabe, parce qu'on le trouve aussi chez les berbères, on le trouve chez les maghrébins, mais on le trouve en Arabie et dans la péninsule arabique, quelque chose qui va être très lié au fait de rechercher une femme mère, et non une femme épouse. C'est pas la même chose. La femme épouse, c'est plutôt une vision occidentale de la femme. Ça va être une femme qui va prendre soin d'elle, qui va s'assumer, qui va être autonome. Et surtout, même si elle est dans le fait de s'occuper de son époux, elle s'occupe de son époux par rapport à elle et son corps. Alors que la femme mère, c'est pas ça. C'est une femme qui peut donner justement naissance et qui va être une bonne maman. Et dans ce besoin de rechercher une femme mère, vous allez avoir un paradoxe qui va se créer en Occident où beaucoup d'hommes sont complètement perdus. Sont partagés. C'est je veux une femme du bled, parce que c'est des potentiellement bonnes femmes mères, parce qu'on les prépare à être des femmes mères. Mais en même temps, la femme épouse d'occidentale, c'est plutôt pas mal aussi. Mais ils peuvent pas avoir les deux. Donc ils sont perdus, ils vont tituber, ils peuvent aller dans certains actes qui sont interdits dans la religion à ce niveau-là. Ils vont être en souffrance par rapport à leur choix. Et là, et on en parlait un peu tout à l'heure avec ma sœur, c'est que là, vous allez avoir un souci pour les femmes issues de l'immigration, enfin, descendantes des gens issus de l'immigration, c'est que vous allez être un peu entre deux. Et là, ça va poser un souci. Pour ces hommes-là, je parle. Attention, tout ce que je dis, il ne faut pas le généraliser. Hein. Là, parce que dans ma tête, il y a des catégories et ce n'est pas toujours si simple d'en parler parce que c'est vraiment très complexe et il y a énormément de catégories différentes. Donc il ne faut pas forcément généraliser, mais quand vous avez affaire à ce type de personnage, pour le convaincre, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher des convertis, par exemple, parce qu'elle va représenter la femme épouse. Et comme il y a le côté religieux, ils disent potentiellement elle pourrait être une femme mère, puisque la religion va apporter cette notion-là. Est-ce que ça fonctionne ? Pas forcément. Vous voyez ? Après, il y a un autre truc qui est important. On n'aura pas le temps de développer. Il reste combien de temps ? Conclure. Waouh. Ça marche. Bon, je vais essayer de faire un compromis entre rajouter un petit truc et conclure en même temps. Comme ça, tout le monde sera content. Il y a un autre truc à prendre en compte, c'est sur... Alors là, je vous invite à y réfléchir et à faire des recherches de votre côté. C'est d'apprendre un peu à connaître ce qu'on appelle les styles d'attachement. Les styles d'attachement et les théories de l'attachement, c'est des notions qui ont été développées, qui ont été étudiées, par rapport au lien que l'enfant il a d'abord avec la mère puis avec le père et l'influence que ça va avoir sur son comportement, sur les liens qu'il va avoir plus tard au niveau amoureux. En gros, les choix que vous allez faire, ils ne sont pas anodins. Ils sont liés sur le profil que vous avez. Mais à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui vous avez aussi une mode un peu du coaching, une mode un peu même de la psycho, où des gens viennent avec des soi-disant vérités absolues et on suit aveuglément, etc. Faites très attention à ça. Il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont pertinentes, qu'il faut étudier, qu'il faut analyser, etc. Mais ne partez jamais dans l'idée que c'est une vérité absolue et que c'est toujours si simple que ça. L'humain est très complexe. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et au-delà de ça,
Il y a une notion qui est surtout importante pour moi, c'est la notion de responsabilité. Vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui vous arrive. Parfois, ce qui vous arrive, c'est une conséquence de ce que vous avez fait. Mais parfois, il peut vous arriver des choses, vous n'avez rien fait, ça vous tombe dessus. Donc vous n'êtes pas forcément responsable de ce qui vous arrive, mais vous resterez toujours responsable de ce que vous en faites. Donc la problématique de la responsabilité, pour moi, elle est majeure dans le sens où prendre le temps pour se marier, pour chercher, etc., pas de souci, mais il ne faut pas que ça prenne 15 ans non plus. Parce que plus je prolonge, moins je fais. Et prendre note que nous sommes responsables et que j'ai un pouvoir d'agir sur la relation. Parce que si j'ai peur de me tromper d'épouse ou d'époux pour les femmes, on est encore dans la déresponsabilisation dans le sens où vous avez certains couples qui vont mal et qui sont en crise, et quand moi je les reçois, c'est voilà, ça va mal parce qu'il ou parce qu'elle. Rares sont ceux qui disent ça va mal parce qu'on a fait ceci ou cela, parce que j'ai mal fait ceci ou cela. Le croyant responsable, quand il parle, il utilise le jeu. Il ne dit pas les autres. C'est moi. Et par rapport à la projection du mariage, et même par rapport même au mariage pour ceux qui sont mariés, par rapport au couple et les difficultés de couple, le plus important, ce n'est pas de chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour que l'autre il fasse ce que j'attends qu'il fasse. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que moi, je peux faire. Un, pour l'autre, et éventuellement pour le couple. Mais en fait, c'est lié. Parce que si je fais des choses pour l'autre, ça va avoir une influence sur le couple. Chacun dans le couple attend que l'autre fasse. Chacun va être dans une position défensive. Et donc de contre-attaque, parce qu'on a l'impression d'être attaqué par le comportement de l'autre, parce qu'on interprète le comportement de l'autre. Mais si on est dans une position où je ne cherche pas à changer l'autre, parce que je me rends compte que c'est juste impossible de changer l'autre, et que je me concentre sur moi, ça rappelle une sagesse d'anciens qui disaient, et c'était un homme sage qui disait que quand il avait 20 ans, il invoquait le Seigneur en lui demandant de lui donner la force nécessaire de changer le monde. Vous savez, quand on a 20 ans, tout le monde ça va mal, donc il faut le changer, et on croit qu'on va le changer. Donc il demandait à Dieu de lui donner la force nécessaire de changer le monde. Puis cet homme en a eu 40, et à 40 ans, il invoquait Rasulallah Ta'ala pour lui donner la force nécessaire de changer sa famille. Puis il en a eu 60. Et à 60 ans, il demandait à Dieu la force nécessaire de se changer soi-même. Et à 60 ans, il dit que le monde autour de lui a changé. Parce qu'à partir du moment où vous vous changez vous-même, forcément, ça va influencer le monde dans lequel vous vivez. Si j'ai une épouse qui a un comportement qui ne me convient pas, la question, c'est pas elle est mauvaise et il faut qu'elle change. La vraie question pour moi, au niveau de ma responsabilité, et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à changer. Et si je n'y arrive pas, il y a une autre question qui est intéressante, c'est qu'est-ce que je fais pour l'inviter à avoir le comportement qu'elle a. Vous avez bien entendu? Qu'est-ce que moi je fais pour inviter l'autre à avoir le comportement qu'il a? Là, je vais me responsabiliser totalement. Dans l'action que je vais potentiellement faire, et dans la responsabilité que j'ai aussi du comportement que l'autre a. Parce que si ma femme crie tous les jours, c'est qu'il y a un problème dans mon comportement. C'est qu'elle n'est pas entendue, ou qu'elle ait besoin de crier tout le temps. Ou peut-être que je l'entends mal. Donc, qu'est-ce que je fais pour l'inviter à avoir le comportement qu'elle a, va être une question qui va m'inviter à me responsabiliser. Un, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est toujours dans la responsabilité de nos actes. Deux, dans la recherche de solutions et de bien-être, parce qu'on a quand même envie de vivre bien dans notre couple, et bien, je suis justement dans la solution qui est la plus viable. Parce que je suis dans l'agir réel. Je vais être dans l'action par rapport à ce que je vais faire et qui va réellement avoir une influence sur l'autre. Et quand je vais avoir une influence positive sur l'autre, l'autre va aussi avoir une réaction qui va être positive. Donc, qu'est-ce que vous faites qui fait que l'autre a le comportement qu'il a? C'est valable dans toutes les relations que vous avez. C'est pas que dans le couple. Ceux qui se plaignent de leurs parents, c'est la même chose. Ceux qui se plaignent de leurs enfants, c'est la même chose. Quand vous vous plaignez d'une situation, posez-vous la question de qu'est-ce que vous faites pour que la situation ait lieu. Et quand vous voulez la changer, dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette situation par rapport à vos moyens, à vous. Wallahu a'ala wa a'lam. Wa barakallahu fikum pour votre écoute. Et désolé si on est un peu tardé, donc n'hésitez pas si besoin, inch'Allah. Alors, bismillah, on va reprendre. Je vais laisser, pour commencer, la parole à la présidente de l'association. Voilà, madame Delphine Courbois. Merci, bonjour à tous, salam alaikum. Déjà, je vous remercie d'avoir participé à notre événement. C'est le premier dernier et c'est ce qui
mais le coup d'envoi de notre année ouverture de la FMS. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, comme je viens de vous présenter, là, je suis Delphine Bourgeois, je suis la présidente depuis un peu plus d'un an maintenant, au sein de la FMS. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la FMS, c'est donc une association qui vit essentiellement de ses propres ressources, on ne reçoit aucune subvention, qui donne des cours pour adultes et enfants. La rentrée pour les enfants va démarrer là le 15 septembre pour les inscriptions. Il y aura des cours d'arabe et de Coran. Et pour les adultes, à peu près la même date, pour un début des cours vers le 3 octobre. Donc il y aura plusieurs cours pour les adultes aussi qui seront proposés. Je vous invite à regarder les flyers qui sont à la sortie. Par ailleurs, afin de faire vivre l'association, nous avons engagé une démarche de parrainage. Et puisque nous avons zéro subvention, on souhaiterait lancer une campagne de parrainage à hauteur de 30 euros par mois pour les personnes qui souhaitent investir dans notre association et faire en sorte qu'on puisse vivre et mettre, comme aujourd'hui, des événements qui concernent un peu tout le monde, l'éducation et voilà. Pardon. Voilà, maintenant je vous invite à poser vos questions et en espérant que vous trouverez peut-être une piste de réponse à ce qui va vous être répondu. Merci à tous. Alors, au sujet d'une trahison dans un mariage, comment choisir entre donner une seconde chance ou lâcher prise pour n'y avoir plus confiance ? Question à problème. Alors, tout d'abord, ce n'est pas à moi de choisir. Et c'est à personne d'autre que la personne qui est concernée. Parce que souvent, on demande l'avis, soit d'amis, soit même du thérapeute. Souvent, je dis, qu'est-ce que je dois faire ? Ce n'est pas ma responsabilité de choisir pour vous ce que vous devez faire. Maintenant, sur la question du choix, entre... Quand il y a une trahison, déjà, il faut déjà comprendre la trahison. Quelque chose qui pourrait vous aider pour ceux qui ont subi, entre guillemets, une trahison. Alors, les trahisons, la plupart du temps, c'est quand la personne va voir ailleurs. C'est ce qu'on retrouve malheureusement le plus souvent. Mais chez certaines personnes, la trahison, c'est plus profond que ça. Vous avez des gens, si vous regardez quelqu'un d'autre, vous avez trahi. Pour d'autres, si vous avez parlé avec quelqu'un d'autre, vous avez trahi. Pour d'autres, si vous n'avez pas été présent au moment où le besoin se ressentait, vous n'avez pas été loyal, donc vous avez trahi. Donc, il faut déjà définir, là, attention, je ne sais pas s'il a désaxé non ? C'est bon ? Faudrait que vous puissiez définir déjà votre propre définition de la trahison. Et un peu mettre de nuance dedans. Pourquoi ? Parce que vous voyez comment on dit les choses. Il m'a trahi ou elle m'a trahi. Et souvent, quand j'ai une personne qui vient en consultation et qui me dit voilà, mon mari ou mon épouse m'a trahi en faisant ceci ou cela, je prends le temps d'analyser l'acte de l'époux ou de l'épouse, et on se rend compte que ce qui fait le plus mal à la personne qui vit une trahison, c'est qu'elle la vit contre elle. C'est-à-dire, il a fait ça, il m'a fait ça. Il m'a trompé. Il m'a fait du mal. Il savait que ça allait me faire du mal. C'est évident. Un, parce que c'est interdit. Deux, parce qu'il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour savoir que la trahison fait souffrir. Mais la personne a l'impression que ça a été réellement et intentionnellement fait contre elle. Ce qui n'est pas tout le temps vrai. Et j'ai même envie de vous dire que la plupart du temps, c'est même pas vrai. La plupart du temps, ce que vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas contre l'autre. À part dans les situations où on est dans l'ordre de la vengeance. Et encore, même la vengeance, c'est pour vous. Parce que ça vous fait du bien à vous de vous venger. Ou ça vous fait du bien à vous de voir l'autre un peu souffrir autant que vous avez peut-être vous souffert. Mais dans les comportements primaires ou initiaux de trahison, la personne qui a fait ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait contre le conjoint, contre l'épouse ou contre l'époux. La personne a eu une faiblesse. Attention, je ne suis pas en train de défendre la chose. Je suis en train d'expliquer. Il y a une distinction entre expliquer un phénomène et le légitimer. Si on va plus loin, pour un peu vous choquer, on peut essayer d'expliquer comment un homme peut en arriver à toucher un enfant. On peut expliquer ça.
Et c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, qui fait qu'on en arrive là. Mais c'est pas parce qu'on l'explique que ça le légitime. C'est pas parce qu'on l'explique qu'on dit que c'est pas grave. Non. Il y a vraiment une distinction entre le fait de légitimer une action et le fait de l'expliquer. Et donc, pour comprendre ces actes de trahison, il faut comprendre que la personne, elle l'a pas fait forcément contre vous. Elle l'a fait pour elle, dans un moment donné. Et il est possible que cette personne en souffre aussi. Et là, je vais faire une transition juste après sur la question qu'on m'a posée tout à l'heure, sur laquelle j'avais promis que j'allais rebondir ici, sur la culpabilité. Mais la personne, elle peut même souffrir elle-même de ce qu'elle a fait. Vous voyez, elle est dans une forme de culpabilité qui est douloureuse et qui est souffrante. Donc, pour pouvoir se détacher, si vous voulez vous détacher justement de ce sentiment, il faut déjà saisir que ce n'est pas forcément contre vous, même si ça n'enlève rien le fait que vous avez subi quelque chose. Parce qu'il y a un engagement au départ. Et la personne n'a pas respecté quelque chose sur lequel elle devait justement respecter. Et forcément, vous allez avoir une souffrance, parce que ça ne fait pas plaisir, ça fait du bien à personne. Celui à qui ça fait du bien est un souci. Donc, le fait que vous alliez mal, c'est normal. Mais pour diluer ou atténuer un peu cette douleur, il faut juste dissocier l'acte de la personne de vous. Attention, ça n'enlève rien le fait que il est responsable ou elle est responsable de ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire, et que vous avez aussi subi quelque chose. Mais on a une tendance à subir davantage que ce qu'on devrait subir. Et ça, on a le même comportement quand on parle de choses qui ne vont pas. Que ce soit par rapport au couple, par rapport à l'époux ou l'épouse, par rapport aux parents, par rapport aux enfants, même par rapport à la vie de tous les jours, ou même quand vous vous plaignez tout simplement de quelque chose qui ne va pas, on a une tendance à exagérer la chose. Quand on parle d'un mal, on est injuste dans la désignation qu'on en fait, dans le sens où on l'exagère et on lui donne un espace et une force qu'il n'a pas à la base. Et quand on parle d'un bien, ce qu'on ne fait pas forcément, et ça c'est un souci, c'est déjà aussi une forme d'injustice dans l'équilibre du regard qu'on peut avoir des choses, on a tendance à le dévaloriser. Oui, c'est normal. C'est un petit truc. Non, c'est très bien. Vous avez des comportements que l'autre fait, c'est normal. Mais c'est pas parce que c'est normal que ça ne demande pas une reconnaissance. C'est pas parce que c'est normal que ça ne fait pas beaucoup de bien. Vous avez des petits actes ou des petites choses qui sont dites normales dans l'éducation des gens, mais qui font énormément de bien. Vous faites un sourire à quelqu'un, ça fait du bien. Vous êtes gentil et cordial avec quelqu'un, ça fait du bien à l'autre. Mais quand vous êtes dur avec une personne, ça va la déranger et elle va exagérer dans l'explication qu'elle va donner de cette chose-là. Donc, se dissocier un peu de l'acte en se disant que c'est pas contre moi, mais c'est pour d'autres raisons que la personne a fait ce qu'elle a fait. Deuxièmement, la personne qui fait un mal est la première victime du mal qu'elle fait. C'est pas vous la première victime. Vous pouvez être victime de la chose, bien évidemment, mais c'est pas vous la première victime. Parce que le premier qui subit l'injustice que je peux faire, c'est moi-même. Pourquoi ? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que je suis responsable. Et deux, en tant que croyant, parce que je vais rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, oui, vous voulez attendre ? Oui, en fait, c'est pas seulement qu'il y a des questions. Pas de soucis. À quel moment c'est devenu toxique pour les personnes qui doivent déjà toujours être un, the greater person, chaque fois, et toujours dire, ouais, ok, c'est pas la faute de la personne, mais c'est la faute de la personne. À quel moment c'est d'accord. Devenu toxique pour cette personne-là qui n'a pas cette déstabilisation Pas de souci. Alors, si vous faites attention, je n'ai jamais dit que ce n'est pas de la faute de la personne. La personne est responsable. Elle est responsable de son acte. Si ma femme me trompe, ce que je ne souhaite pas, mais si elle le fait, ça va me faire mal. Et je vais être en colère. La douleur que je vais avoir, c'est la mienne par rapport à ma personne. L'acte qu'elle a fait, c'est sa responsabilité. Et elle, c'est la première qui va souffrir de cet acte-là. C'est la première victime de ce qu'elle fait. C'est la première. Attention, ça n'enlève en rien que moi aussi je suis victime. Très bien. Le fait qu'elle soit responsable de ce qu'elle a fait, ce n'est pas ma responsabilité à moi. Par contre, comment je vais réagir par rapport à ce qu'elle a fait, c'est ma responsabilité. Si je dis, elle m'a trompé, je vais la tromper moi aussi. La première action, je suis victime. La deuxième action, je suis responsable. Vous voyez ? Donc, par rapport à la toxicité, c'est encore autre chose. Si la personne le fait continuellement et que ça me blesse continuellement, la question, c'est de quelle manière, même si ça me blesse,
de quelle manière je permets que ça se fasse. Pourquoi je suis encore avec cette personne? Vous voyez? Qu'est-ce qui fait que je suis encore avec elle? Vous avez quelque chose qui est très intéressant à étudier dans le comportement de certains vis-à-vis de la souffrance. Et là, on revient un peu à l'éducation, de ce que vous disiez tout à l'heure. Hier, on en parlait un peu. Vous savez, dans certaines civilisations, dans certaines cultures même, et surtout, vous avez ça un peu dans l'Afrique noire, subsaharienne, même en Côte d'Ivoire, il y a un culte de la souffrance. C'est-à-dire que plus vous souffrez, plus ça vous purifie. Vous avez aussi ça, islamiquement parlant, mais pas dans le même sens. Parce qu'au niveau religieux, on ne vous invite pas à souffrir. On fait tout pour pas que vous souffrez. Mais si vous souffrez, parce que des gens vont souffrir, on va atténuer cette souffrance en leur disant que ça va être soit une expiation, soit... Et là, je vais revenir sur autre chose tout à l'heure, si je n'oublie pas, sur l'opportunité de la maladresse ou de la mauvaise action de l'autre. Faites-moi, si j'oublie, ne faites-moi penser. Islamiquement parlant, c'est quelque chose qui est équilibré. Dans certaines cultures, c'est complètement déséquilibré. On invite les gens à souffrir. Ce qui fait que vous avez des gens qui sont dans des situations catastrophiques et il ne faut pas les aider. Pourquoi? Parce que si vous les aidez, culturellement, vous faites un mal. Vous l'empêchez de se purifier. Puisqu'il faut qu'elle se purifie. Vous avez des situations qui sont inacceptables et la personne ne va pas patienter. Pourquoi? Parce qu'on lui a mis dans l'esprit que c'est un bien. Et limite, c'est ce qui va être recherché. Vous avez une autre chose qui est intéressante dans le comportement de certains. Si vous pouvez, est-ce qu'on vous donne un exemple pour ce que j'ai ? Alors, je vous donne un exemple. Une personne qui est dans un de ces pays, qui s'est mariée avec un homme qu'elle n'aime pas, qui ne lui plaît pas, et qu'elle respecte énormément. Et cet homme-là, il ne vit pas avec elle, il est à l'étranger. Et cette femme, ce n'est pas la première, c'est la deuxième épouse. Au début, ça lui convient. Vous voyez, d'ailleurs, quand on disait que les choses que nous faisons, c'est ce qu'on veut au fond. Parce que ce lien amoureux qu'elle a avec cet homme-là et ce lien de couple lui convient. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de bien, qu'elle respecte énormément. Mais comme il ne lui plaît pas physiquement, il ne faut pas qu'il soit tous les jours là quand même. Vous voyez? Donc cette distance, ça l'arrange. Au départ, ça l'arrange. Puis quand arrivent les enfants, et qu'elle est complètement dépassée, et qu'elle a besoin de la figure du père, mais qu'il n'est pas là parce que ce n'était pas le deal, le contrat c'était qu'il soit distant et qu'il la voit une fois par an, là elle commence à ressentir un manque, pas de l'homme, de sa fonction. Elle commence à en souffrir. Puis l'homme il va avoir des comportements qui ne lui conviennent pas, parce que le couple évolue. Vous voyez, c'est comme l'informatique, vous avez des mages, des mises à jour. Et comme en informatique, si votre système d'exploitation il est mis à jour mais pas votre logiciel, il y aura des bugs. C'est à peu près la même chose. Elle a évolué dans la relation qu'elle a avec lui, lui il est resté pareil. Elle va énormément en souffrir. Quand elle va se plaindre, tout son entourage va lui dire « Mais non, c'est bien. Que tu souffres, c'est une bonne chose. » Vous voyez? Et derrière, elle dit « Oui, mais moi je veux sortir de ça. Surtout pas. » Vous voyez? C'est purificateur. Et là, on est maladroit même dans des références religieuses. Parce que religieusement, vous avez des textes qui vont dans ce sens-là pour atténuer et aider les gens à patienter selon les difficultés qu'ils vivent, vous voyez. Par exemple, vous voyez, le croyant doit patienter, etc. La patience ou la persévérance dans la patience, elle est dans la première action. Celui qui patiente, Allah l'aime parce que justement, il est éprouvé, etc. Donc vous avez plein de textes. Vous avez d'ailleurs une petite histoire où une femme, un jour, est venue voir le prophète, et elle lui a dit, je veux divorcer de mon époux. Je veux que tu me divorces de mon époux. Parce qu'elle ne peut pas divorcer d'elle-même. C'est soit il la divorce, soit le juge, et là, en l'occurrence, c'est le prophète, qui est responsable, les divorce. Il lui dit, pour quelle raison? Et là, elle lui dit, parce qu'il n'est jamais tombé malade. Et là, le prophète lui dit, et alors? Elle lui dit, s'il n'est jamais tombé malade, c'est que Dieu ne l'aime pas. Parce que j'étais entendu dire, il y a un sourd-là, que la maladie était une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une épreuve. Et là, il lui recommande, il lui dit, écoute, patiente avec ton mari quelque temps. Ne divorce pas, patiente avec lui. Elle patienta quelque temps, et le pauvre bonhomme, il a eu une maladie que personne n'avait eu à Médine. Il a été malade,
Elle est revenue voir le prophète. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que quand elle est venue demander le divorce, elle n'a rien dit d'autre. Si elle vient demander le divorce, c'est le meilleur moment de dire ce qui ne va pas. Et ça, ça nous montre deux choses sur cette personne. C'est que son mari était quelqu'un de bien. Parce que si elle avait quelque chose à critiquer, c'est à ce moment-là qu'elle va critiquer. Elle n'a rien dit d'autre. Ça veut dire qu'il ne fait rien de mal. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est le lien qu'elle met avec Allah. Si Dieu ne l'aime pas, je n'ai rien à faire avec lui, moi. Même s'il est exceptionnel. Vous voyez ? Donc, elle patienta, il est tombé malade, et là, elle est revenue heureuse voir le prophète Assad en disant « J'ai eu la preuve que Dieu l'aimait, c'est bon, je veux rester avec mon époux. » Et là, le prophète Assad lui dit « Certes, l'épreuve, la maladie est une épreuve, et l'épreuve est un acte d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut éprouver autrement que par la maladie. Ton mari, il avait d'autres épreuves qui n'étaient pas la maladie. C'est pas parce que je ne tombe pas malade que Dieu ne m'aime pas. Vous voyez ? C'est si j'ai aucune épreuve, là, je peux me dire oh, il y a peut-être un souci quelque part. Mais il y a plein de manières d'être éprouvé. Je peux être éprouvé moi avec moi-même déjà. Je n'ai même pas besoin forcément d'un critère extérieur. Tout ça pour vous dire que le comportement qu'on va avoir dans certains trucs et par rapport à certaines cultures où on va alimenter ou chercher la souffrance peut être maladroit et problématique. Vous voyez ? Alors, il ne faut pas aller. Là, on est dans un extrême, dans ce que je vous ai cité comme exemple. Mais il ne faut pas aller aussi dans l'autre extrême. L'autre extrême, de loin, je veux qu'il ne m'arrive jamais rien, et donc dès qu'il y a un problème, je le quitte. Non. S'il y a un problème, il faut chercher des solutions. Vous voyez ? Donc on est malheureusement dans des comportements assez extrêmes parfois, et là, en l'occurrence, dans le cas de la toxicité, dans le cas de la trahison, parce qu'on parlait de la trahison tout à l'heure, c'est assez compliqué. Vous avez des personnes qui restent, vous avez des femmes qui sont battues, mais qui restent avec leur époux. Attention. Il y a plein de raisons pour lesquelles elles peuvent rester avec leur époux. Parfois, elles n'ont pas vraiment le choix, vous voyez. Même si on a toujours le choix. Mais parfois, c'est très compliqué. Le choix qui peut être fait va être compliqué dans le sens où elle vit quelque chose qui est compliqué, mais c'est moins risqué que ce qu'elle pourrait vivre autrement. Et vous avez, alors là, à prendre avec beaucoup de pincettes ce que je vais dire, parce que ça peut parfois choquer. Vous avez certains profils. C'est pas toutes les femmes qui sont ainsi, et encore moins toutes les femmes qui subissent des violences physiques. Vous avez des femmes qui vont vivre des violences physiques, et quand vous grattez, vous essayez d'analyser ce qui se passe, vous lui demandez à quel moment il est violent avec vous physiquement. C'est certains cas, c'est pas tous. Et elle va vous décrire un moment qui se répète. C'est souvent pour les mêmes raisons. Ici, c'est pour les mêmes raisons qu'il est violent. Pourquoi je reproduis la même situation ? Et là, on revient par rapport à ce que je disais sur les styles d'attachement. Vous avez des styles d'attachement où des personnes, femmes ou hommes, vont avoir un profil très anxieux. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, quand ils sont enfants, ils n'ont pas eu une réponse par rapport à leur anxiété suffisante vis-à-vis de la mère d'abord, puis du père. C'est-à-dire que quand l'enfant est anxieux, il a besoin d'être rassuré. Et si un enfant n'est jamais rassuré quand il a besoin, etc., il va avoir un comportement qui va être soit dans l'évitement, donc il va se débrouiller seul, c'est bon, j'ai plus besoin des autres, et ça va donner quelqu'un qui n'a plus confiance en personne et qui va voilà, se suffire à lui-même, limite. Ou alors vous avez un autre comportement où la personne va être très anxieuse et va s'accrocher à l'autre. En s'accrochant à l'autre, je vais être rassuré. J'ai tellement besoin d'être en lien et d'être rassuré sur le lien que j'ai amoureux avec l'autre que je vais être étouffant ou étouffante. Ça va donner des gens qui sont étouffants. Et ces gens qui sont étouffants, ils vont être prêts à beaucoup de choses. Énormément de choses, beaucoup de sacrifices pour avoir ce qu'ils veulent. Et ces personnes-là qui sont très anxieuses, ça va être des personnes qui vont beaucoup provoquer les conflits. Pourquoi ? Parce que le conflit va les rassurer dans le lien avec l'autre. Si je suis en conflit, c'est qu'il y a un lien. Et donc, elles n'aiment pas le conflit. Mais, grâce au conflit, elles vont avoir quelque chose dont elles ont besoin qu'elles n'arrivent pas à avoir autrement. Et un autre exemple que j'avais cité hier soir. Une femme qui avait une dépression chronique. C'est-à-dire que, ouais, il y avait aussi une personne qui avait levé la main et j'ai vu les deux mains. Une personne qui avait une dépression chronique, une femme d'un certain âge qui avait 50 ans passé, et elle était souvent très dépressive jusqu'à être alitée. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle était dans son lit et voilà, elle ne pouvait plus bouger. Parfois, elle faisait des crises, elle tombait, etc. Cette personne avait un mari qui était rabaissant, insultant, toujours à lui reprocher des choses, pas bienveillant du tout, bref, quelqu'un de détestable dans la relation. Et je lui posais la question, je lui dis, quand vous êtes malade, et donc alité, que vous ne pouvez plus rien faire, comment se comporte votre époux ? Elle me dit, c'est plus le même homme.
Il ne m'insulte pas, il ne m'agresse pas, il ne me rabaisse pas. Il s'occupe des tâches de la maison et il s'occupe de moi, il est à mon chevet pour que je guérisse. Cette femme-là, elle n'a aucun intérêt de guérir. Parce que quand elle est malade, elle a exactement ce dont elle a besoin, un mari bienveillant. Donc elle, si elle a une dépression depuis 30 ans, la dépression, ça ne dure pas 30 ans. Une dépression, ça se soigne en 6 mois. Dans le pire des cas, voire un an dans les cas vraiment majeurs. Mais quand c'est des petits cas, c'est en quelques séances, ça se règle une dépression. Si elle, ça fait 30 ans qu'elle est dépressive, c'est qu'elle peut, c'est pas qu'elle ne peut pas guérir, c'est qu'elle n'a pas intérêt à guérir. Parce que si elle guérit, c'est l'enfer qu'elle vit. Donc elle, il ne faut pas soigner sa dépression, il faut aller soigner sa relation avec son époux. Et en soignant sa relation avec son époux, elle sera plus dépressive. Vous voyez ? Oui, il y avait la personne qui... Oui. Moi, je vais juste revenir. Excusez-moi, ma touche. Il y a juste... elle a posé la main. Ah, d'accord. Ok. Tout de suite après. Ok. Je voudrais savoir quelles sont les causes légitimes en islam pour une demande de divorce et sont-elles les mêmes pour les hommes et pour les femmes aussi ? D'accord. Alors, en ce qui concerne les causes, vous avez quelque chose qui est intéressant au niveau du divorce. C'est que, vous savez, dans les règles juridiques, souvent, on divise les choses par rapport à ce qui est détestable, permis, recommandé, interdit, etc. Vous avez 5 catégories. Donc vous avez le permis, l'interdit, le recommandé, le détestable et les choses qui sont acceptables dans le sens où voilà, c'est neutre. Le divorce, il est dans toutes les catégories, sauf dans l'interdit. Il est permis, acceptable, il peut être recommandé, il peut être obligatoire, dans certains cas. C'est-à-dire que vous avez des cas où c'est une autre, où les gens n'ont pas le droit, islamiquement, de rester ensemble. Un exemple très simple, vous vous mariez avec un homme, il est musulman, 10 ans après, il n'est plus musulman, vous ne pouvez pas rester avec lui, techniquement parlant, au niveau de la législation islamique. Parce qu'il n'est plus musulman, vous n'avez pas le droit d'être avec un musulman. Vous ne pouvez pas rester avec. Vous êtes avec un homme ou vous êtes avec une femme qui est menaçant au niveau de votre vie, qui peut vous tuer ou nuire gravement à votre état. Vous n'avez pas le droit de rester avec. Vous êtes responsable de vous-même. Vous voyez ? Ce que je dis, c'est au niveau du droit. Parce qu'après, je sais que dans les cas, c'est bien plus compliqué. Mais il faut juste entendre que le droit, c'est très froid, le droit. C'est des règles qui paraissent très froides et il n'y a pas d'émotion dans le droit. Après, le juge, c'est lui qui va étudier et analyser les situations. Vous avez des cas de divorce qui sont recommandés. C'est-à-dire que le juge islamique peut conseiller des gens de divorcer. Si vraiment, c'est rien à y faire et ça peut être dangereux éventuellement, ou c'est mauvais pour la foi de la personne, ou sa santé, etc., il peut conseiller. Vous avez des cas où le divorce, il est juste accepté. Et dans ces cas-là, en réalité, vous mettez tout ce que vous voulez. Demain, je vais voir, je veux divorcer parce que je me suis levé, j'ai envie de divorcer. Techniquement parlant, il n'y a rien qui me l'interdit. J'aurai une contre-recommandation où on me dira, patiente, c'est mieux. Si je divorce parce qu'elle a posé la bouteille là alors que je voulais qu'elle la pose là, là, je déconne. Vous voyez ? Mais j'ai le droit quand même de divorcer. C'est quelque chose qui est permis. Partez dans la base que c'est quelque chose qui est permis. Maintenant, vous avez dans la tradition prophétique différents cas. Vous voyez les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Il lui dit de patienter. Il n'accepte pas sa demande parce qu'il sait que la raison pour laquelle elle veut divorcer, c'est une erreur. Il lui dit de patienter pour qu'elle vive justement le changement, qu'elle perçoive que c'est une erreur d'elle-même et qu'elle soit justement convaincue et qu'elle fasse les choses. Il y a un autre exemple où une femme vient demander au prophète de la divorcer et quand il lui dit pourquoi, elle lui dit parce que je ne l'aime plus. Et encore une fois, dans ce hadith-là, elle ne donne rien d'autre à l'information. Ça veut dire que s'il avait mal agi, elle l'aurait dit. Elle parle d'un homme qui n'agit pas mal. Elle dit je ne l'aime plus. Là, le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, est-ce que tu peux rester quand même avec lui? Elle dit, j'ai pas envie. Il lui dit, ça serait bien que tu patientes. Il lui donne un conseil. C'est pas un ordre. Et là, regardez sa réponse. Elle lui dit, est-ce que c'est un ordre ou un conseil? Il lui dit, non, c'est un conseil. Elle lui dit, je décide de ne pas le suivre. Tu es le messager de Dieu. Si tu m'ordonnes, j'obéis. Si tu me conseilles, j'ai la liberté de choisir. Non, il lui dit, oui, c'est vrai. Elle a dit, donc je décide de ne pas suivre ce conseil. C'est son droit. Mais l'enseignement qu'il y a à avoir dans ce hadith-là, bon, il y en a plusieurs, mais deux qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que elle a divorcé pour une raison que nous, on pourrait ne jamais accepter de notre vie. Elle dit ça à quelqu'un. Je divorce parce que j'aime plus. Non, attends,
je crois que moi ton père j'y ai né, ouais, on va entendre des choses comme ça, il faut que tu patientes, etc. Et ça ne sera pas acceptable dans nos esprits. On va dire, elle a été occidentalisée, etc. Ça ne sera pas acceptable. Alors que le prophète, il l'a accepté, mais quand même, il lui donne un conseil de rester. C'est-à-dire qu'il lui recommande de ne pas divorcer pour ça, parce que c'est des choses qui peuvent changer. Vous voyez, il y a des choses à faire pour faire évoluer le lien, surtout s'il n'y a pas de choses graves entre eux, mais elle a quand même le droit de demander à être divorcée, quelle que soit la raison. Les raisons, on les donne au juge pour voir un peu dans quel état est la situation. Mais le divorce, c'est un droit. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit en début de l'intervention, c'est que c'est un contrat entre deux personnes. Et ce n'est pas la vie à la mort. C'est Inch'Allah jusqu'au paradis. Mais pour que ça soit Inch'Allah jusqu'au paradis, il faut que je retrousse mes manches et que j'agisse, que je fasse le maximum pour que ça se passe bien. Le maximum pour répondre au mieux aux besoins de l'autre. Et l'autre, si l'autre en face fait la même chose, il y a des chances qu'on aille jusqu'au paradis, Inch'Allah. Mais si moi je ne fais pas grand chose, ou que j'attends beaucoup, ou que l'autre ne fait pas et que c'est compliqué, que... ah, il y a des chances qu'au bout d'un moment je dise c'est bon, stop. C'est un droit. Mais ce n'est pas parce que c'est un droit que c'est la meilleure chose à faire dans les situations qu'on peut avoir. Donc il faut bien distinguer les choses dont on a le droit et les choses qui sont meilleures pour nous. On a des droits qui, dans certaines situations, n'est pas forcément le meilleur choix qu'on peut faire. Mais si on le fait, on a le droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jugement contre ça. Par contre, il faut juste être conscient qu'il y a des conséquences dans nos choix. Et les conséquences sont, bah, il faut les assumer derrière. Si je divorce de ma femme parce qu'elle a, elle a posé la bouteille là au lieu de là, et que je dis c'est bon, bah, je craque, j'en ai marre, elle ne respecte pas, c'est un exemple un peu bateau, mais c'est juste pour mieux saisir, j'ai le droit. Mais si je divorce pour ça alors qu'elle a énormément de qualités, qu'elle m'apporte énormément, c'est tant pis pour moi derrière. Vous voyez? Et peut-être qu'au fond, si je vais aller même jusqu'au bout du truc, si elle a posé la bouteille là, qu'est-ce qui en moi fait que ça me bloque et que ça me rend si dingue? Ça n'a rien à voir avec elle, ça a à voir avec moi. Oui? Mais alors, sur la responsabilité, la femme, là, elle a des responsabilités. Hein. D'accord. Alors, elle, techniquement, elle a le droit. Elle est, à partir du moment où elle a le droit, elle n'est pas en porte-à-faux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il lui a donné la permission, le droit de le faire. Attention, c'est pas parce qu'on a le droit que c'est la norme. On n'invite pas les gens à divorcer. Vous voyez? On les invite à essayer de trouver des solutions pour arranger les choses, etc., etc. Mais ça reste un droit que les gens ont. Et ce que je vous dis, c'est quoi? C'est qu'ils ont le droit, qu'ils sont pas en porte-à-faux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, derrière, il y a des conséquences selon les choix qu'ils font. Si le choix est juste, il y a des conséquences, mais c'était juste, donc je suis apaisé et paisible dans mon esprit, dans ce que je vais affronter. Si mon choix n'était pas terrible par rapport à une action, les conséquences vont être plus dures à assumer pour moi. Mais au niveau du droit, la personne a le droit. L'exemple que je vous ai cité a dit « je l'aime plus ». La plupart d'entre eux, et alors? La plupart des gens vous diront « oui, mais si tu... on parle d'une femme qui vit en Arabie dans un désert il y a 1500 ans. Hein. On n'est pas dans cette modernité actuelle. Vous voyez? Donc, combien de femmes ont vécu toute leur vie avec un homme qu'elles n'ont pas aimé? Des milliards! Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, elle a le droit. Mais il conseille le contraire quand même. Oui? Moi, je vais juste revenir là-dessus. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que moi je fais pour arriver à montrer à l'autre le comportement qu'il a. C'est pas montrer, c'est qu'est-ce que moi je fais pour inviter l'autre à avoir le comportement qu'il a. Voilà. Alors à ce moment-là, je vais reprendre la phrase, mais alors comment moi j'invite l'autre à lui montrer le comportement qu'il a? Parce que là, c'est moi qui vois ce comportement. Oui, mais... là, on rebondit plus ou moins sur les torts des uns et des autres. Mais comment moi j'arrive à l'inviter? Alors, il y a plusieurs manières, tout dépend du profil de la personne qui est en face. Si vous avez quelqu'un qui est ouvert, c'est plutôt simple, vous voyez. Si vous avez quelqu'un qui est bienveillant, c'est assez simple. Si vous avez quelqu'un qui est dans une démarche spirituelle ou pour la personne c'est important justement le droit et le devoir, vous avez des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez parler avec eux tous, sur tous les sujets, ils s'en foutent royalement ou ils ne vous écoutent pas. Par contre, si vous dites Dieu a dit, ils sont attentifs. Vous avez une catégorie de croyants comme ça. Si c'est ainsi, ben, vous trouvez des références. En gros, il faut
que vous puissiez parler et vous faire comprendre par rapport à la sensibilité de l'autre. C'est pas simple, hein. Et vous avez des profils qui sont très compliqués. Bah, à ce moment-là, moi, comment on doit réagir face à des comportements qu'on ne comprend pas, qui ne s'expliquent pas? Il y a des comportements qui sont inexplicables. Alors moi, je vous dirais l'inverse. Je vous dirais que tous les comportements s'expliquent. Mais ce n'est pas parce que je ne les comprends pas qu'ils n'ont pas d'explication. Parce que pour les comprendre, il faut que je prenne déjà du recul. Et si je suis dans la situation, c'est compliqué. Vous voyez? Si je vis une situation, je suis dans ma relation avec mon... Putain, ma femme, c'est une bouteille de viande, mais bon... Elle n'est pas là, donc c'est pas, voilà, c'est pas de ma faute. Et c'est joli, c'est une bouteille de viande. Mais là, que c'est pas du épar. Si ma femme a un comportement, d'accord, et que je suis en conflit avec elle, ça va être plus dur pour moi de comprendre ce qu'elle vit que si je suis à l'extérieur et que j'observe et qu'on m'invite. En tant que thérapeute, c'est facile pour moi d'analyser. Parce que j'ai pas de lien émotionnel avec les gens. Je ne suis pas affecté. Si j'ai un lien émotionnel et qu'il y a un affect, c'est plus difficile, un, de prendre du recul, deux, d'avoir une analyse et un regard juste et quand même assez panoramique, et donc, ça va être plus compliqué pour moi d'avoir toutes les réponses. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas toutes les réponses que ce n'est pas explicable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut expliquer des comportements qui sont, on va les dire, c'est extraterrestre, c'est impossible. Ah si, c'est possible. Et on peut l'expliquer. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on l'explique qu'on le justifie. Mais vous avez quelqu'un qui... Vous êtes en face d'un homme, par exemple, qui va être fermé et qui va, au moindre truc, vous rabaisser. Et là, vous ne comprenez pas. Pourquoi il me rabaisse? Vous voyez? Vous pouvez me dire, mais moi, j'ai pas envie, un, qu'il me rabaisse. Deux, personne, en général, pas grand monde, n'a envie d'être rabaissé. Et je ne comprends pas, c'est quand même mon époux. C'est pas un inconnu à qui j'ai fait du mal. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est engagé avec moi parce qu'il me voulait vivre avec moi, qui voulait vivre avec moi, avec qui je partage des choses, qui est censé me protéger. Et vous voyez, le fait de la protection, c'est quand même un sujet qui revient et qui est extrêmement important, parce que c'est pas que l'époux, on l'épouse aussi, attention. Le couple, le conjoint, est censé protéger, dans les deux sens, hein, protéger des dangers extérieurs, protéger de l'autre, de lui-même. Donc il faut que je protège ma femme d'elle-même. Il faut qu'elle me protège de moi-même. C'est très compliqué, mais c'est faisable. Et il faut que je la protège de moi-même. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on doit chercher. Dans le concret, c'est compliqué. Pourquoi? Et c'est pour ça que dans les relations amoureuses ou les relations d'amour, parce que c'est aussi dans le lien filial, les personnes qui vous aiment le plus, souvent, c'est celles qui vous font le plus qui vous font le plus mal et avec qui il y a plus de soucis. Et on ne comprend pas. Parce qu'ils sont censés nous protéger. On ne comprend pas parce que son comportement, on ne voit pas la finalité. Qu'est-ce que ça lui apporte de faire ça? S'il le fait, c'est que ça lui apporte quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'un être humain fait, il le fait pour lui-même d'abord. Jamais pour l'autre. C'est toujours d'abord pour lui. Ça veut dire quoi? Qu'on est tous égoïstes. Maintenant, certains diront oui, mais non, il y a des gens qui sont altruistes, qui sont dans la générosité, qui sont dans le partage, etc. Même les associations, vous allez nourrir des nécessiteux, vous allez vous occuper des enfants, c'est magnifique. Mais c'est pour vous que vous le faites d'abord, puis pour l'autre. Donc, on est tous égoïstes, mais il y a deux formes d'égoïsme. Il y a le premier égoïsme qui est néfaste, pas terrible, condamnable, et qu'on doit chercher à éviter d'avoir, et c'est celui qui est condamné même dans le Coran. C'est l'égoïste qui veut pour lui. Mais dans ce qu'il veut pour lui, il écrase les autres, il prend de ce qui appartient aux autres sans aucun problème. Donc il crée une injustice. Le deuxième type d'égoïsme, c'est l'altruisme. Quelqu'un qui est altruiste, il veut pour lui, mais dans ce qu'il veut pour lui, il en fait profiter les autres. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous. Et même le plus haut degré du don, qui va être réellement pour Allah, fils sa vie, il a. Allah, il n'a pas besoin de nous. Ce n'est pas pour lui que nous faisons les choses. Dans le sens où lui reçoit quelque chose. C'est parce que j'ai besoin d'être en lien avec lui. J'ai besoin de l'aimer ou qu'il m'aime. J'ai besoin qu'il me pardonne, etc. J'ai besoin d'augmenter ma foi. J'ai besoin d'être rentré au paradis. J'ai besoin d'éviter l'enfer. C'est parce que c'est moi qui ai tous ces besoins-là que je vais exceller dans mes actes. Et dans ces actes-là, je vais faire profiter les autres. Et vous avez plein de hadiths où le prophète sallam énonce les meilleurs musulmans, les meilleurs croyants, en disant « Le meilleur parmi vous est celui qui fait ceci et cela, le meilleur. » Et quand vous regardez tous ces hadiths-là, c'est toujours en lien avec la masse. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne.
pas juste un problème, reste dans ton coin, t'as une belle voix. Va l'enseigner. Le meilleur d'entre vous est celui qui reçoit et qui donne, et ainsi de suite. Donc, on est tous égoïstes, mais il y a différents types d'égoïsme. Et juste pour revenir par rapport à ce qu'on peut faire éventuellement pour inviter l'autre, d'abord il faut s'inviter soi-même, toujours. Pour voir qu'est-ce que moi je fais. Parce que si moi j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte, je peux inviter tant que je veux, ça ne passera pas. Par contre, si je me rends compte qu'effectivement, que ça soit à 80%, que ce soit à 10%, c'est la même chose. Que moi j'ai une part de responsabilité, que je fais quelque chose. Quand je vais aller le voir, et là on va rentrer dans la communication. Comment apprendre à mieux communiquer avec l'autre? Je vais commencer d'abord à parler de moi. Pas comme un jeu écrasant, mais comme un jeu responsable. Vous voyez? J'ai besoin, ou je me rends compte, ou j'admets que, etc. Je parle de moi. Puis je montre que je comprends un peu l'autre. Vous voyez? Quand l'autre va ne pas avoir l'impression qu'il est attaqué, il va être moins sur la défensive. Et donc il va être peut-être un peu plus à l'écoute. Mais il ne faut pas oublier ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. On peut les aider, les inviter à, mais on ne peut pas les changer. Mais ce qui doit nous importer, ce n'est pas de changer les gens. Ce qui doit nous importer, c'est de nous changer nous-mêmes. Juste, je pose une question. Alors je pose la question, et il va peut-être que ça va... C'est la bien. Alors, comment se réinvestir dans une nouvelle relation après un divorce? Comment refaire confiance? Et la place d'un enfant d'une précédente union? C'est plein de questions, ça, c'est pas une question. Oui. Est-ce que vous voulez la répéter? Comment se réinvestir dans une nouvelle relation après un divorce? Alors. Et en plus, je pense que la personne, elle veut dire qu'elle a un enfant d'une précédente union. D'accord. Oui, mais après, il faut voir c'est quoi la question par rapport à l'enfant, en fait. Bon, mais, si la personne peut se manifester. Mais c'est pas grave, je vais essayer de répondre à quelque chose, et si c'est bien, tant mieux, sinon, il faudra se manifester. Je fais au mieux. Par rapport au divorce, alors déjà, quand vous divorcez, vous devenez célibataire. Ça, c'est un point important. Donc, tout ce que je vous ai dit sur le célibat, c'est valable quand on divorce. Quand vous divorcez, vous n'êtes pas un ou une divorcée. Pas une étiquette, parce que souvent, c'est le comportement qu'on a. Allez divorcer, mais c'est un divorcé qui veut... Le divorce est un acte qui va s'opérer pour montrer une séparation entre deux personnes qui s'étaient entendues pour s'unir. Très bien. Une fois que vous vous êtes séparés, bah, vous redevenez célibataire. Et dans le fait de reconstruire une vie de couple, bien évidemment que la relation qu'on a eue va avoir une influence sur la relation qu'on va avoir. Sur le comportement qu'on va avoir, pardon, dans la relation qu'on va avoir. Mais... Tout à l'heure, quand je vous parlais des styles d'attachement, vous avez quelque chose qui revient assez souvent, c'est que souvent on répète les mêmes histoires. C'est-à-dire que les personnes qui se marient, qui divorcent, qui divorcent et qui se remarient, ainsi de suite, vont répéter la plupart du temps la même chose. Ils vont choisir des partenaires qui sont souvent identiques aux précédents. Et c'est pas anodin. Donc même s'ils disent « je comprends pas, je tombe que sur des gens comme ça », non. Tu choisis des gens comme ça. C'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas qu'eux sur Terre. Et dans le choix, il y a quelque chose qui est recherché. C'est pour ça que quelqu'un qui divorce et qui veut se remarier, c'est vraiment intéressant et pertinent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans son mariage précédent, dans le divorce, mais d'essayer, même si c'est bon, on le vit, donc on n'est pas totalement objectif, mais vraiment d'essayer de prendre du recul et d'analyser. De manière à se rendre compte de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de pourquoi éventuellement. Attention, ce que je vous dis, c'est pas de faire un travail, d'aller voir forcément un psy, d'aller rester avec lui 10 ans, parce que sinon c'est compliqué, on ne vit pas 1000 ans. Mais c'est de faire juste une auto-analyse de la situation et d'essayer de réfléchir pour éviter de reproduire le même schéma et de chercher sa responsabilité. Il a pu être le pire homme du monde, de quoi moi je suis responsable et qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux. Vous voyez? Et par rapport à l'union, ce qu'on m'avait posé, c'était une question par rapport à ça, et donc ça m'a fait penser, je vais rebondir dessus, et c'est en lien par rapport à la... c'était une suite que j'avais, sur laquelle j'allais intervenir dans la conférence, par rapport au mariage lui-même, oui? Oui, d'accord. Par rapport au mariage lui-même, vous savez, souvent certains vont dire, mais à quoi ça sert de se marier au fond? Si nous n'étions pas musulmans, est-ce qu'on se marierait? Pas sûr. Parce que l'image qu'on a du mariage, elle est tellement mauvaise que ça ne donne pas envie. Et qu'on est dans une époque où non seulement on est très individuel, tout est poussé vers l'individualisme, on l'est nous aussi, on est assez autonome. Et à part
quelques besoins, on pourrait se dire, mais ça ne vaut pas le coup. Parce que ça m'apporte est inférieur à ce que ça me coûte. Et même si on n'a pas fait d'école de commerce, si ce n'est pas rentable, ce n'est pas intéressant. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi on se marie en fait. Quand vous allez un peu réfléchir et que vous allez vouloir avoir une réponse qui vous paraît noble et juste, vous allez mettre Dieu dans l'histoire. Mais quand vous vous marierez, est-ce que vous vous marierez réellement par rapport à ça? C'est pas sûr. Et sur la raison du mariage, moi ce que je dirais, même au risque de choquer quelques-uns, c'est que ça en vaut toujours la peine. Même si je me marie avec la pire femme du monde, qui n'est pas mon épouse, mais même si c'était la pire femme du monde, et que je vivrais avec elle les pires souffrances, ça pourrait être l'enfer, et que je divorce, vous voyez, après tant d'années, j'en peux plus, c'est l'enfer, c'est, j'ai jamais vu ça, c'est impossible qu'un être humain il soit ainsi, elle doit avoir plein de trucs à l'intérieur de son corps, etc. Même si je me marie avec la pire femme du monde, je peux en tirer des bénéfices. C'est intéressant pour moi. Donc, pourquoi j'ai choisi elle? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle fasse aussi ce qu'elle a pu faire? De quoi moi je suis responsable? Qu'est-ce que j'ai appris de moi en étant avec elle? Et quand on se marie, quand on est en lien, et ça vous pouvez le retrouver nulle part ailleurs, dans aucune relation, dans aucune, que ce soit avec le parent, avec les meilleurs amis du monde, de la terre, de l'univers que vous pouvez avoir, ça ne changera rien. Le lien, quoi, ce que vous allez vivre quand vous allez vous marier, va être unique dans le potentiel d'apprendre des choses sur vous. C'est quand on se marie qu'on apprend à se connaître davantage. Vous allez apprendre à vous connaître quand vous allez vous auto-analyser, réfléchir sur vous, voir un peu vos réactions, c'est pas simple. Mais vous allez apprendre des choses sur vous. Quand vous allez vous marier, vous allez découvrir votre véritable vous. Et c'est parfois tellement déplaisant que vous mettez ça sur la faute de l'autre. Je vais rectifier ma phrase parce que c'est tellement déplaisant qu'on met ça sur la faute de l'autre. C'est parfois quand on voit, parce que l'autre pour moi est un miroir. Le partenaire est un miroir. Et quand vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez un truc qui est effrayant, ça fait peur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit que c'est là, le miroir, il a un problème. Il n'est pas ajusté ou il ne reflète pas correctement ma personne. Mais le miroir, il peut parfois un peu ne pas être totalement juste et refléter quelque chose qui est un peu faux, mais il y a une base qui est vraie. Et cette base qui est vraie, personne d'autre ne l'a pu l'avoir avant ou vous permettre de l'avoir vue avant. Est-ce que vous n'étiez jamais dans une relation d'intimité de la même manière que dans le couple? Même avec les parents, où il y a un lien qui peut être fort et les parents peuvent apprendre à vous connaître, enfin, vous connaissent énormément, c'est pas la même chose. Parce que soit le parent va être protecteur, vous voyez, mon fils il est magnifique. C'est le plus beau, c'est le plus intelligent, c'est pas possible qu'il fasse du mal. J'ai des cas, j'ai des situations où, je parlais du fils, mais parce que c'est un exemple qui me vient en tête, mais c'est pas forcément l'homme, même si c'est majoritaire, où l'homme est odieux et en plus de ça irresponsable dans le comportement qu'il a avec sa femme, où il va la maltraiter physiquement, et quand on parle avec la mère, c'est pas possible. Elle n'y croit pas. Donc déni total. Et s'il arrive qu'il la frappe devant la mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dû faire un truc pour qu'il en arrive là. Vous voyez, elle le victimise même quand il est coupable. Donc dans ce comportement de surprotection, on n'est pas totalement juste. Et vous avez d'autres parents qui exagèrent aussi. T'es un bon à rien. T'arriveras jamais à rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi? Et donc il va vous rabaisser, vous détruire ou participer à une destruction psychologique pour vous-même. Et c'est pas vous de qui il parle. Il parle de quelqu'un, c'est pas vous. Vous n'êtes pas ceci. Et quand vous allez vous marier, vous allez donc créer une opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. Donc même dans le pire cas, et je vais volontairement dans le pire, c'est-à-dire que dans le moins pire, c'est encore mieux. Mais même dans le pire cas, c'est intéressant. Attention, je ne vais pas chercher à me marier avec la pire femme du monde. Mais même si, en me mariant avec une femme qui me paraît bien et à la fin ça se termine très mal, j'ai beaucoup à apprendre. Ce que j'ai à apprendre sur moi valait la peine. Pourquoi? Parce que je ne peux pas évoluer et cheminer convenablement, si je souhaite cheminer convenablement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne travaille pas sur ce qui ne va pas chez moi. Et je ne peux pas travailler sur ce qui ne va pas chez moi si je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Et je ne pourrai pas totalement savoir ce qui ne va pas chez moi si je ne suis pas marié.
Rien que pour ça, même si j'étais avec la pire femme du monde, je lui dirais merci. Parce qu'elle va m'apprendre des choses de moi que j'aurais pas pu apprendre autrement. Rien que pour ça, elle mérite une reconnaissance. Pour le reste, elle assumera sa responsabilité. Mais rien que pour ça, ça en vaut la peine. Si je suis dans... C'est pas pour rien que tout à l'heure, je vous ai parlé de contrat dans le lien avec l'autre, mais date d'adoration dans le lien avec le divin. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Ça, c'est la main. Oui. Qu'est-ce que la notion de saveur, est-ce que ça signifie ne pas se plaindre à ses amis? Ne pas se... se plaindre à ses amis. D'accord. Quand on traverse ces crises. Alors, par rapport au sable, il y a la culpabilité aussi. Que... Allez, aussi, vous nous avez besoin de vous rappeler, dire quelque chose au sujet des maladresses. Des maladresses? Oui. Rappelez-moi pourquoi je voulais rappeler. Les bénéfices qu'on peut tirer des maladresses. Ah oui, bah c'est ça ce que je viens de dire. C'est une passe. En partie, c'est ce que je viens de dire. Parce que si je veux compléter, je dirais que dans le comportement de l'autre, j'ai une opportunité de pardon. C'est-à-dire que si ma femme agit mal avec moi, il y a mon ego qui va en prendre un coup. Comment à moi elle me parle comme ça? À moi elle a fait. C'est ça qui joue dans les actions. C'est à moi elle a fait ça. Inacceptable. Si je suis dans cette phase d'ego, je vais rejeter, condamner, punir peut-être. L'opportunité que j'ai, c'est que quand l'autre fait une erreur, ou fait une faute même, même quelque chose de minime ou de majeur, c'est une opportunité pour moi, soit de demander des comptes auprès d'Allah, je ne fais pas de mal, je ne réponds pas par le mal. Si je réponds par le mal, je fais n'importe quoi. Mais si je ne réponds pas en mal, et que je me dis, ce que la personne a fait, c'est trop douloureux pour moi, je ne veux pas pardonner, le pardon est un droit. Vous avez le droit de pardonner, vous avez le droit de ne pas pardonner. Ce n'est pas une obligation de pardonner. Tous les messages au niveau de l'islam sont dans l'invitation à pardonner. Mais en aucun cas, c'est une obligation. C'est un droit que vous avez, que vous pouvez utiliser ou non. Parce que souvent, on pose cette question de « j'ai pas envie de pardonner ». T'as pas envie de pardonner, pardonne pas. Mais ne fais pas de mal. Vous avez deux manières de réagir dans une situation compliquée où vous subissez une injustice, quelle que soit l'injustice. Vous avez deux manières de réagir de manière positive et islamique. Vous ne répondez pas par le mal et vous demandez des comptes auprès d'Allah. Vous avez le droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala est garant et du côté de celui qui subit une injustice, qui que ce soit, même s'il n'est pas musulman d'ailleurs, vous avez même la dua de celui qui subit une injustice, sa invocation est exaucée, etc. Dieu est garant et toujours du côté de celui qui subit une injustice. Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez gagné plus que ce que vous avez perdu en demandant des comptes. Pourquoi? Je vais vous raconter ça. Alors, désolé de l'exemple, parce que ça peut paraître un peu bateau par rapport parfois aux situations graves, mais c'est volontaire pour un peu désamorcer, on va dire, les tensions qu'il peut y avoir dans certaines situations que certains peuvent vivre ici, pour dédramatiser un peu, mais toujours en se basant sur le même processus. Il y a une époque, quelques années, où j'avais deux vélos. Et j'avais un vélo normal, et je dis, c'est pour la raconte sa vie, mais vous allez mieux comprendre après. Et un vélo hollandais. Et les vélos hollandais, ça a une certaine valeur. Le problème, c'est que je n'ai jamais utilisé aucun des deux. Donc, ils étaient attachés sur un grillage, je ne les utilisais pas. Arrivé à un moment, je me suis dit, bon, quitte à ne pas les utiliser, autant les vendre. Mais j'avais la flemme de les vendre. Donc, ça a pris du temps. Puis, à un moment donné, je me suis donné un peu de courage. J'ai dit, bon, il faut que j'aille le faire, ils sont un peu sales, faut que j'aille le nettoyer, surtout le vélo hollandais, le vendre. J'étais au téléphone avec un ami au moment où je m'apprêtais à aller récupérer le vélo pour le nettoyer, et quand je suis arrivé, il n'y avait plus mes vélos. Il y avait le U avec une roue. On m'avait volé mes deux vélos. Et je dis à mon ami, je lui dis, pardon, on m'a volé mes vélos, et moi je rigole, quoi, je souris. Et l'ami avec qui j'étais au téléphone, lui, il s'énerve. Il s'énerve, il commence à insulter les potentiels voleurs, etc. Et il dit, mais toi, pourquoi tu rigoles, en fait? Je lui dis, mais moi, je suis content. Il dit, t'es bizarre, pourquoi t'es content? Je lui dis, ça fait des mois que j'ai envie de les vendre. Et j'avais la flemme, ils se sont vendus tout seuls. Il me dit, comment ça? Je lui dis, mais je vais pas aller voler un vélo, c'est pas mon style. Je n'ai pas été éduqué ainsi. J'ai deux solutions, et là je reviens sur les deux solutions que j'ai citées, quand je commençais à citer tout à l'heure. La première, je ne pardonne pas à la personne. Je demande des comptes auprès d'Allah. Mais auprès d'Allah, la personne ne va pas me rendre un vélo. Déjà, elle ne l'aura pas et je n'aurai rien à faire avec un vélo. Elle ne va pas me donner de l'argent, elle n'en aura pas et je ne pourrai rien faire avec. Au niveau du jugement divin, c'est Hassanet Seyed. Soit elle me donne des bonnes actions, soit elle prend des mauvaises actions. Proportionnellement à la chose qu'elle a faite. Un vélo, c'est pas grand chose. Une souffrance de cœur ou des actes abominables, c'est bien plus grave, bien évidemment. Donc après, à vous de voir proportionnellement ce que ça peut
ce que ça peut être. Agissant ainsi, en ne pardonnant pas, en ne faisant pas de mal et en demandant des comptes, j'ai gagné plus que ce que j'ai perdu. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, je pardonne à la personne. Et je gagne encore plus que ce que j'aurais pu espérer gagner, quelle que soit la situation, en lui pardonnant. Mais si je lui pardonne et que je gagne autant, peut-être que je vais avoir un pardon divin qui n'était pas prévu pour moi. Peut-être que Dieu va me pardonner quelque chose. Parce qu'il y a plein de textes qui vont dans ce sens-là où Allah subhanahu wa ta'ala, je vais dire le mot, mais entre guillemets, va être à honte devant une personne qui pardonne, il va lui pardonner davantage. Parce que c'est lui qui pardonne. Il est encore plus pardonneur. Donc dans cette situation, ce que je pourrais gagner en lui pardonnant, voire même en demandant des comptes, est une chose qui est bien plus grande que ce que je possédais ou ce que j'aurais pu avoir. C'est une opportunité. Le mauvais comportement de l'autre à mon égard, l'injustice que je peux subir, qui que ce soit qui peut être injuste, est une opportunité pour moi pour recevoir quelque chose qui est bien plus grand et qui a bien plus de valeur que ce que j'aurais pu avoir. Et si je réussis à pardonner, je suis encore plus gagnant. Oui. Juste une dernière chose par rapport à ça. Vous avez un jour un compagnon, le prophète Hassan m'avait désigné un compagnon en disant « cet homme est un homme du paradis ». Et vous avez un des sahaba, un des compagnons qui l'a suivi pour voir qu'est-ce qu'il faisait d'exceptionnel pour avoir gagné le paradis. Il le suit dans ses affaires de tous les jours et il voit qu'il ne fait rien d'exceptionnel. C'est un homme lambda. Jusqu'au jour où il a craqué, il est parti devant, il a dit « dis-moi ce que tu fais, je ne te lâcherai pas ». Il a dit « moi je ne fais rien ». Il dit « si tu es obligé, tu fais quelque chose, te perds en cachette, qui a fait que le prophète ait parlé ainsi de toi ». Il lui a dit « franchement, il n'y a qu'une chose que je vois ». Il lui a dit « laquelle ?» Il lui a dit « je ne dors pas la nuit avant d'avoir pardonné à tout le monde ». Quand il s'apprête à dormir, il dit « alors je pardonne à tout le monde ». Au cas où je meurs, je pardonne à tout le monde. Cet acte-là lui a donné le paradis. Donc vous voyez que, mais il n'aurait pas pu l'avoir si on ne lui avait pas causé du tort. Quoi, il aurait pu l'avoir autrement, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette opportunité d'être en lien et de gagner vis-à-vis d'un certain n'était pas possible si l'autre n'avait pas fait l'erreur. Donc l'erreur que ma femme peut faire avec moi ou l'erreur que je peux faire avec elle est une opportunité pour l'autre pour avoir quelque chose qu'il n'aurait pas pu avoir. Ne serait-ce que l'opportunité de pardon. C'est une... Que vous puissiez pardonner à quelqu'un, c'est un cadeau. Attention, l'acte que l'autre peut faire est blâmable, bien évidemment, est mauvais. Mais c'est une opportunité pour vous. Oui, vous voulez dire Ok, si je voulais dire, c'est que je vois le travail que tu peux faire sur toi-même. Excusez-moi, je dis juste quelque chose, excusez-moi. Il reste 10 minutes D'accord. pour conclure et faire les invocations. Okay. Et, cher public, n'ayez pas de frustration. On vous réserve une belle surprise. On vous explique tout après le départ de la Bibi. Je vais reprendre tout le travail qu'on doit faire sur soi-même. Je veux juste un petit peu de challenge. Il y a des gens aussi, par exemple, quand tu brûles dans le feu, tu te rappelles. Oui. Et si chaque fois on pardonne un acte, c'est pas sûr qu'on aide cette personne-là à comprendre que l'acte qu'il a fait, et c'est un mauvais acte parce qu'on est toujours en train de protéger. Par exemple, juste un exemple, un moment qu'il protège son fils, chaque fois qu'il fait quelque chose, il va pas forcément comprendre ça. Et plus tard dans la vie, il va faire des fautes avec des femmes. Et le fait qu'à un moment il a protégé toute sa vie, il ne va pas comprendre parce que la femme ne va pas avoir le même conscience que sa mère. Donc indirectement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas aidé lui dans sa démarche de son développement psychologique. La deuxième question, c'est que c'est au niveau de communication. Parce que je pense que c'est un petit peu la question que mon client a posée, c'est que si quelqu'un communique en criant, est-ce que l'autre personne doit crier? Parce que il a beaucoup de personnalités qui sont différentes. Je donne un exemple, vous avez donné l'exemple avec les bouteilles de l'eau. Si quelqu'un boit le jus qu'il a, chaque fois il ne laisse rien. Est-ce que la personne vient, il fait la même chose ou il achète une bouteille de jus en plus? Et à quel moment, comment on va faire communiquer que cette bouteille en plus, c'est pour que tu comprends que tu as déjà bu tout le jus qu'il y a? C'est une métaphore, en fait. Oui, mais c'est juste pour expliquer toutes les choses qui peuvent te déranger. Je comprends. Alors, par rapport à la première question déjà, par rapport à l'enfant et l'éducation, effectivement, Elia va parler avec un frère qui n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs, je crois, mais le rôle du parent est de préparer l'enfant à toutes les éventualités possibles qu'il pourrait vivre et d'agir de la meilleure des manières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis un parent trop laxiste
voire démissionnaire, que je le laisse aller et je vais lui causer du tort à cet enfant. C'est dangereux. Si je suis un parent surprotecteur, même si je pense bien faire, je vais lui causer du tort aussi. Le rôle du parent est de trouver un équilibre entre tout ça. Et si vous réfléchissez, quoi, si vous allez un peu plus loin, même au niveau religieux, quand vous lisez le Coran, Dieu fait la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'il ne sait pas de que dans un sens, c'est toujours un équilibre. L'équilibre est extrêmement important. C'est-à-dire que, si, imaginons que j'ai un enfant et que je ne veux pas qu'il tombe malade, parce que la bienveillance que je vais avoir et l'amour et l'empathie que je vais avoir vis-à-vis de cet enfant est tellement énorme que je ne veux surtout pas qu'il soit malade, c'est trop douloureux pour moi. Je vais inventer une bulle. Je vais mettre ce bébé dans cette bulle et je suis sûr qu'elle a été faite d'une manière où aucun virus ne peut entrer dans cette bulle. Très bien. Le bébé va être protégé. Il ne va pas tomber malade. Je crois bien faire pour lui. Mais c'est une catastrophe si je fais ça. Pourquoi ? Un, arrivera un jour, il sera assez grand, trop grand pour rester dans la bulle, il faudra qu'il sorte. Il ne sait pas comment c'est l'extérieur. Deuxième chose qui est catastrophique, il va attraper juste un rhume, il va mourir. Parce que son corps n'aura pas créé d'anticorps. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que après, il ne faut pas aussi pousser les enfants à tomber. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de... L'objectif, ce n'est pas de tourner des enfants, de malades des enfants volontairement, mais en gros, l'idée, c'est de protéger. Tout en laissant un espace d'exploration, d'aventure, tout en mettant des règles à respecter. L'enfant, il n'a pas le droit de tout faire. Mais pourquoi je fais cette question ? Parce que vous parlez beaucoup de regarder à l'intérieur, tu vois, qu'est-ce que ce problème ? Oui, j'ai bien compris. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, par exemple, on voit des opportunités, je ne veux pas généraliser, mais de temps en temps, il y a des femmes qui restent dans des situations où on dit, là, elle sera mieux toute seule, mais on dit, voilà, non, elle va souffrir, c'est pour des enfants. Mais moi, je pense que de temps en temps, ce n'est pas bien pour les enfants de voir une situation qui est comme ça. Bien sûr, et ça, on le sait, il y a des études qui ont été faites sur, justement, l'état émotionnel, psychologique et les structures de développement chez l'enfant dans des situations toxiques et mauvaises. Certains vont ne pas divorcer pour protéger les enfants, et des fois c'est bien dans le sens où c'est vrai que ça peut les protéger, mais dans d'autres situations où c'est le fait de rester ensemble qui est dangereux pour l'enfant. Vous voyez ? Si les parents ne changent pas, ils ne veulent pas changer, et que ça va toujours être comme ça, et que c'est très dangereux, l'enfant ne grandit pas dans... L'enfant lui-même, d'ailleurs, vous verrez dans plein de situations où c'est l'enfant qui demande à vos parents de partir. Il va dire à la mère, ouais, quitte-le, etc. Ou quand il grandit, il dit, pourquoi tu ne l'as pas quitté, etc. Oui. C'était bien, alors c'était quand on vivait en grande famille. Oui. Il y a les parents, les grands-parents, et tout. Il y a un grand amour pour les enfants. Nous, il y a un couple, si ça marche comme ça, c'est le divorce qui est bien pour les enfants. Oui, mais après, ça, c'est vrai que c'est un autre sujet, c'est lié, mais c'est assez profond et je n'aurais pas le temps de développer là-dessus, mais les systèmes familiaux, le changement des systèmes familiaux va aussi avoir une influence sur les divorces que nous vivons. Et ça va même être plus grand parce qu'ils vont aussi avoir une influence sur le surmenage, la fatigue des parents, notamment des mamans, etc. Je vais le dire très brièvement, mais c'est quelque chose qu'il faudrait développer un peu plus longuement, mais pendant longtemps, la famille, c'était 20, 30, 40 personnes qui éduquaient un enfant. Aujourd'hui, on demande à 2-3 personnes de faire le travail de 40 personnes. C'est normal qu'ils soient épuisés, qu'ils n'y arrivent pas totalement, même si, pour moi, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Maintenant, le système familial d'antan, il permettait de stabiliser aussi le couple. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une compensation, il y avait une aide, etc. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. J'aurais pas le temps de développer jusque-là, mais c'est bien plus compliqué. Maintenant, quand on revient à ce que vous disiez, madame, sur le fait que j'insiste beaucoup sur le travail sur soi, c'est parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Je ne peux pas changer mon passé, et je ne peux pas changer l'autre. Par contre, je peux moi voir, selon ce que j'ai vécu, quelle que soit la situation, voir qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que non seulement je suis responsable de moi et pas de l'autre, sauf dans un cas de figure, mais c'est surtout que c'est le seul espace d'action que j'ai réellement pour pouvoir changer éventuellement les choses. Après, ça ne fonctionne pas forcément tout le temps. Oui ? Moi, j'ai juste une petite question. Je change de sujet. Je reviens sur... Pardon, vraiment, ça dérive. Il reste 4 minutes pour la clôture et l'invocation. Mais n'ayez pas peur pour vos questions. On a une très belle surprise après. Je vous raconte. Mais juste permettez-moi, parce que celle-là, elle est... Si. Vraiment, elle est... Allez, je vais essayer de faire vite. Au début, vous parliez du choix de l'épouse. Oui. D'accord ? Oui. Un homme, plus ou moins, il cherche soit... Une femme épouse ou une femme mère. On peut pas être les deux ? Si. Si, c'est le seul objectif d'ailleurs. Mais non, mais c'est,
Non, mais parce que après, ça, finalement, ça discrédite plus ou moins un homme de dire soit il cherche une femme. Non, mais parce que au point de départ, dans le choix qu'il fait, il va être faire un des deux côtés. Rares sont les hommes qui cherchent les deux, qui se contentent d'un des deux jusqu'à avoir les deux, etc. La plupart vont avoir un besoin dans un des deux axes. C'est ce qui va un peu influencer le choix qu'ils vont faire. Mais bien évidemment, vous pouvez être les deux. Et d'ailleurs, toutes les traditions prophétiques sur le rôle, les droits, les devoirs, etc. de l'épouse vont dans l'objectif d'atteindre les deux. Vous voyez ? Donc c'est faisable. Il y a deux autres choses. Je vais essayer de faire ça, il reste 3 minutes, très rapidement. La première des choses, c'est qu'il y a un truc qui est intéressant, j'en parlais un peu hier, sur la vie des prophètes, alayhimus salam. Les prophètes, alayhimus salam, c'est-à-dire tous les prophètes dont on connaît la vie et l'histoire, quand vous regardez leur situation familiale à chacun, elles sont très différentes. Mais ce qui est intéressant pour nous tous, c'est que quel que soit le système de famille qu'on a pu avoir, on retrouve une référence dans la vie d'un des prophètes. C'est-à-dire que tous les systèmes familiaux sont représentés dans la vie des prophètes, sans exception. Donc selon la situation que nous avons, on peut s'inspirer du comportement de certains prophètes. La deuxième chose, et je termine là-dessus et je fais la clôture, pour ne pas oublier, parce que c'est important, sur la culpabilité. Donc j'avais presque oublié, mais il y a une vraie différence à noter. Parce que beaucoup de gens culpabilisent. Et c'est la culpabilité qui va amener aussi à beaucoup de souffrance, à beaucoup de pensées négatives, à un manque d'estime de soi, etc. Il y a une grande différence entre la culpabilité et le regret. Ce ne sont pas les mêmes choses. Mais pour nous, on mélange tout souvent. Et la différence qu'il y a est majeure. Le regret, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre conscience de l'acte, éventuellement de son influence ou de ses conséquences, de le regretter. Et je ne peux pas revenir en arrière. Mais je regrette d'avoir fait ce que j'ai pu faire, et j'avance en utilisant l'erreur que j'ai pu faire pour mieux avancer plus tard. La culpabilité, c'est un regret extrême. Et là, on n'est plus dans le juste milieu, on est dans un extrême. Et cet extrême va faire que je vais rester bloqué dans le passé. Et donc, je ne peux plus avancer. Et c'est pour ça que je vais avoir beaucoup de souffrance et il y aura beaucoup de dégâts potentiels, c'est que je reste bloqué dans quelque chose que je ne peux pas bouger, que je ne peux pas changer, que je n'avance pas. Et quand vous décortiquez ça au niveau spirituel, vous vous rendez compte que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les conditions du repentir, pour qu'il puisse accepter un repentir, une des conditions, c'est le fait de regretter sincèrement. À aucun moment, il nous demande de culpabiliser. La culpabilité, elle ne vient pas, c'est pas une demande qui vient du divin. La culpabilité, c'est une suggestion qui est proposée par le Satan. Parce qu'il sait que ça va nous bloquer, que ça va nous empêcher d'avancer. Et quand vous regardez par rapport au repentir, pourquoi c'est une condition ? Parce que justement, le fait de regretter ce que j'ai fait et d'analyser va me permettre d'avancer, d'évoluer. Et ce qui est magique par rapport au repentir, c'est qu'il y a un truc qui est paradoxal, voire même illogique. Je suis moi, je suis pur. Puis, je fais une mauvaise action, je crée une impureté. Pourtant, quand je me repentis, je suis meilleur qu'au début, que d'avant d'avoir commis l'erreur. Ce qui n'est pas normal, à la base. Et là, vous voyez tout l'intérêt du regret sincère et juste. Par contre, la culpabilité, elle ne permet pas d'évoluer. Donc, c'est juste la distinction que je voulais faire, parce que c'est important, par rapport à ce qu'on peut vivre et par rapport à ce dont on peut se tenir responsable. Être responsable, c'est bien, mais il faut l'être aussi de manière juste. Vous deviendrez injuste si vous commencez à prendre en responsabilité des choses dont vous n'êtes pas responsable. Vous voyez, c'est toute la misère du monde, c'est de votre faute. Vous êtes injuste avec vous-même. Il y aura des conséquences. Donc il est important de pouvoir distinguer avec justesse la responsabilité qu'on a, et il est important d'essayer d'être le plus bienveillant possible. Parce que juste pour clôturer, pour revenir sur les prophètes, alayhimus salam, quand vous analysez leur comportement de vie par rapport aux relations qu'ils avaient dans leur famille, notamment et aussi avec les autres, ils étaient toujours extrêmement bienveillants. Tout le temps, quelle que soit la situation. Ibrahim avait un père qui était polythéiste. Il n'est pas croyant. Il vend des statues. Il menace son fils. Oui. Et pourtant, il est bienveillant avec lui. Et ainsi de suite. Je ne vais pas aller plus loin, mais tous les comportements des prophètes nous invitent à avoir de la bienveillance. Et dans les liens amoureux que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez être ou que vous pourriez avoir, Inch'Allah, il y a une règle que je vous invite à avoir, c'est de vous concentrer sur vos devoirs et non sur vos droits. C'est important de connaître vos droits, mais concentrez-vous sur vos devoirs.
Parce que pour clôturer par rapport à la responsabilité, c'est sur nos devoirs qu'on est jugé, et non sur les droits qu'on a. Sur les droits, loi et les garants. Que je les ai ou que je ne les ai pas, j'aurai. Par contre, mes devoirs, si je ne les accomplis pas, personne ne les fera à ma place. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum pour votre écoute. Barakallahu fikum pour votre écoute. Désolé pour si le temps n'a pas été suffisant, mais il est ce qu'il est, on fait avec. Et en espérant que ça nous invite à réfléchir sur certains points, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous aimer encore et encore davantage, qu'il puisse nous permettre d'avoir ce que nous voulons tant que c'est une bonne chose pour nous, qu'il nous préserve, je dis nous pour nous tous, qu'il nous préserve tous et qu'il nous pardonne dans nos faits, nos péchés et nos manquements, que ceux qui vivent une difficulté, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse les soutenir et les aider à sortir de cette difficulté, et ceux qui vivent ou qui ont un besoin par rapport à une chose particulière, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite. Quelle que soit la situation de vie dans laquelle vous êtes, il faut toujours chercher à être en lien avec le divin. Quelle que soit la vie que vous avez pu avoir ou que vous avez, quelles que soient les difficultés qu'on a pu vivre dans nos enfances, le lien avec le divin, c'est ce qui peut nous rassurer le plus possible et qui peut nous aider aussi à changer. Donc, en espérant que Allah nous pardonne sur les manquements, s'il y a une chose que j'ai pu dire qui était fausse, une erreur ou une omission, que me pardonne et que vous me pardonniez, parce que c'est quelque chose qui vient de moi. Et s'il y a eu un bienfait quelconque dans cette assemblée, sachez qu'il vient d'Allah et on le remercie pour ça. Barakallahu fikoum. Salamu alaykoum. Salamu alaykoum. Wa alaykoum salam.